si je suis là. Voilà, ça, on commence déjà le live sur un bon taux de cringe. Comment ça va Noah? Comment ça va Magic Pépouze? Comment vous allez? J'ai mis une petite musique d'ambiance d'occasion. Pas du tout, c'est vraiment une musique que j'ai trouvée au pif, une musique Genshin bien sûr, hein, parce que j'ai pas les droits pour les autres musiques. Du coup voilà, est-ce que la coiffure est toujours aussi bien moche? C'est bien moche, hein, j'avais oublié, mais oui, faut aussi bien moche. Vers sa mère et pas le droit de changer. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si quelqu'un sub, il aura le droit de changer. Non, je déconne. Je rigole. Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, Resident Evil. Voilà, on prend avec un petit accent anglais nul, hein, bien sûr, parce qu'on sait pas parler anglais. Aujourd'hui, Resident Evil 2, on continue le jeu, bien sûr. Je crois qu'on s'approche de la fin. Donc, en tout cas, de la fin de l'histoire de Léon. Donc, on s'est arrêté sur quoi d'après? On s'est arrêté sur Ada Wong. La coiffeuse m'a loupé, j'ai presque la boule à Z. Et je suis Golry, wesh. Ouais, ouais, t'es... Golry de fou. La coiffeuse m'a raté, j'ai loupé la boule à Z. Bah, déjà, Krillin, voilà. Tu te mets 4 petits points et tu es Krillin. Et ainsi, tu possèdes le Kenzan. Si t'as la référence, tant mieux pour toi. Du coup, on s'est arrêté sur quoi d'après? On s'est arrêté sur Léon qui s'était pris une balle, hein, parce que... Ouais, parce que... Oh, Léon, il faut le respecter, machin, il se prend une balle comme une merde, voilà. Et du coup, on avait joué Ada Wong et on s'était fait tuer par Monsieur X à un moment. Et du coup, j'avais arrêté là parce que ça m'avait saoulé. Et du coup, voilà. Hashtag Léon, la grosse merde. Comment il va, Loni? Non, mais j'ai dit le avec la voix que t'as fait MDR. Mais dis-le... Et je suis Golry. Non, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Bon, on va rien dire du coup. Avant, t'as commencé avec un petit cœur avec tes news, mon BG. Quoi? Avant de commencer, un petit cœur avec tes news, mon BG. D'accord, voilà. C'est pas Fall Guys aujourd'hui. Non, c'est quoi? J'avais envie de faire Resident Evil. Donc, c'est moi qui décide de donner la nouvelle. Donc, je fais ce que je veux. Et j'ai envie de faire Resident Evil. Comme ça, on est débarrassé de ce jeu de merde. Non, je déconne, c'est parce que j'avais envie d'y jouer. Et du coup, je crois qu'on a bientôt fini l'histoire de Léon. Du coup, c'est pas mal. J'ai pas vu, si t'as vu, voilà, là t'as bien vu. Et du coup, on y va, on est paré, on est parti. J'ai pas lancé le jeu, hein, parce que voilà. Ouais, je suis à Ada Wong, là, en effet, ouais, je la joue, parce que Léon s'est pris une balle comme une fiotte, hein, comme une grosse merde. Et du coup, on m'a dit aussi qu'il fallait pas tuer tous les zombies, parce que c'est du gâchis, il fallait mieux les esquiver, sauf que moi, je sais pas esquiver les zombies. Est-ce que t'as vu ma gueule? Est-ce que j'ai l'air de savoir esquiver des zombies? Pas réellement. Du coup, bah, on va essayer de faire de même. On va tenter, quoi. Hein. On va juste tenter, on va pas faire grand-chose, on va juste tenter. Hop, et du coup, on affiche le game Resident Evil 2, bien sûr. Alors après, Loni, toi, il faut que je fasse le combien? Parce que Alexandre m'a dit que soit je faisais le 3, soit le 7. Mais du coup, peut-être que toi, tu connais bien la... Dans le 3, tu peux esquiver. Ouais, peut-être on va faire le 3, finalement. Bonus débloqué, pluie incessante, concept art, commissariat A. C'est super, j'ai trop les références. Et on continue la campagne de Léon Kennedy's. On fait le combien après le 2? Après celui-là, on fait le combien? On dirait que ton émoticône se labrang... Bah non, du coup, non. Le 4, autant attendre le remakes. Fais le 3, puis le 4. Ada Wong, mon gars! On a toujours une belle POV. Alors, Ada Wong, elle est blessée comme une sourasse. Non, tu peux faire ça directement? J'ai un de cuit, c'est pas possible. Alors, déjà, oui, enlève la musique, hein, parce que c'est tout de même un peu honteux. De 1 et de 2, tu pouvais utiliser la molette? Mais en fait, ça paraît tellement logique maintenant, mais je sais pas, moi, je me suis dit, bah non, en fait, molette, on n'utilise pas. Bah si, connard. Alors, je suis où, là? Fallait que j'aille où, déjà? Je me souviens déjà plus. Je viens d'où? Je sais même plus où est-ce qu'il faut que j'aille, en fait. Ah oui, fallait pas que j'analyse le truc, là. Bah si, c'est bon, je pouvais passer au truc d'ascenseur, là. Voilà, hop. Ah oui, c'est bon, ok, d'accord. Et là, il va y avoir... C'est génial. Et là, il va y avoir Monsieur X, on le connaît bien. Attends, tiens, hop, d'ailleurs. Comment faire quand il y a Monsieur X? Ça, c'est... le 4 ou 5 ou 6. Et le 6, tu peux esquiver. Il y a un inventaire illimité. Ah, bah, c'est... Moi, je vais faire le 6. Je pense que le 6, c'est pas mal.
Mais ouais, du coup, je disais. Attends, j'ai pas de soins sur moi? Génial. Et ouais, je disais, du coup, quand il va y avoir Monsieur X, le monsieur numéro X, comment on fait pour l'esquiver en fait? Attends, est-ce que déjà je peux. Pas super, faut hack la porte qui est fermée. Le cul-de-sac, il y a un truc pour hack la porte. Ouais, donc en gros, je dois hack la porte le plus vite possible, quoi. Super. Tu parles d'un sacré col. Ah, salut, comment il va? Et là, hop, ouvre la porte, connasse. Allez, mon gars. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il arrive! Je dois aller où là? Voilà. Alors, ouais, là je dois aller où là? Truc à hacker. Non, faut que j'aille où? C'est où? Oh le putain de connard. Donc, il va falloir que je le brain. Ok, c'est bon, viens là, monsieur Hicks. Monsieur Hex. Je sais pas où c'est le truc. Il était où le truc? Il est là. Ok, alors là par contre là je suis dans la merde là. Là je suis dans un petit bourbier. Ok, hop, on esquive. Ah là, 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 ça fait bobo. Je vais mourir. Oh, il est trop con. Ok, monsieur X est vraiment pas gentil en vrai. Hein. Il met des droites à une belle femme comme Ada Wong, gros, tu me prends pour qui? Ok. Ouh, on n'était pas du tout à devoir te crever, les frères, c'est incroyable. Là, tu vois, on est sexy. Faut hack la porte qui est fermée, ouais là là. Je crois, non, derrière. Ah, il y avait aussi une raison. Donc, c'est cool, je me suis pris un coup de Monsieur X. C'est cool parce que là, du coup, je suis à deux doigts de genre crever par exemple. Mais on va dire que ça va. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu ces petits fils de pute, genre un petit kit de soins ou une petite plante verte? Un petit truc qui puisse nous aider. Alors ça me fait bien rire ça. Le truc pour analyser, il fait aucune lumière. Ok. Il me suit plus hein, le gros salaud là. Le grand fou chauve là, il me suit plus. Parce que c'est cool, hein, il est bien grand, il est bien chauve, hein, mais par ça. Bon, il est pas fou quoi. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas. Hop là, là je suis sûr ça me donne 10 balles. Ou genre. Un spray pour en soi. Non. Il n'y a rien vraiment? Non, il y a vraiment que dalle. Oh, c'est cool. Moi j'apprécie quand il n'y a rien, tu vois, des endroits comme ça. Bon, bah du coup on remonte, hein. On n'a pas trop le choix. Ah, attends. Non, je pensais qu'il y a un truc à analyser ici, mais pas du tout. Bah c'est pas grave, on est juste en train de boiter comme une grosse merde, alors qu'on s'est pris un coup dans les côtes, on boite. Globalement, c'est un peu illogique, mais... Faire comme si de rien n'était. Alors... Inspection, mon gars. Avec le nouveau bracelet, on peut enfin commencer l'analyse de la zone de démolition. Sujet. À part de l'autre que ça, l'incinérateur, c'était rien. Probablement gros. Reste de gros déchets. Y a vraiment pas de kit de soins. Non, mais là, s'il revient, là, n'importe qui, en fait. Si n'importe qui revient, c'est foutu. Hein. Pourquoi tu fais des bruits comme ça, meuf? Et je sais que t'as mal, mais quand même. C'est sûr, il va arriver, l'autre. Il va falloir que je me dépêche. Parce que l'autre fils de pute là, c'est sûr, il va pas rester devant son truc en mode bon, dommage, elle m'a échappé. Ah, il y a un truc pour sauvegarder là-bas, j'avais pas vu. C'est pour sauvegarder, hein. Ouais, hop, sauvegarde. Identification requis. Bah, calme-toi, pourquoi tu m'agresses? Genre, le truc il me parlait pas et d'un seul coup je passe à côté. Ah, ok. Oh, il va y avoir un truc là. C'est cool d'avoir plein de câbles, plein de trucs intéressants. Ah!
c'est pas ça. Non, super, c'est pas ça. Ah, le bracelet d'identification. Je suis trop con, en fait, il était juste devant. Ouais, c'est cool, ok. Oh non. C'est foutu. Oh, Anna. Grosse salope, Anna. Quand tu vas, Anna? Bravo. Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question que vous touchiez au virus G. Ah putain. si ça se trouve. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Sérieux? Faut trouver un moyen. Oh, attends, mais oui, le bracelet, je suis con. Le truc pour analyser, hop. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je peux rien faire là. Ah si. Ok, je suis full débile là par contre. Ensuite, c'est là. Ensuite, où ça? Ensuite, là. Ok, ensuite, le prochain. Ouais, j'aurai pas le temps. Au moins, on saura pour le prochain coup. Si j'ai le temps, c'est fou, hein, j'annonce. Allez. Oh! 5, 4, 3, 2, 1. Ah, j'ai encore le time en fait. D'accord. Putain, c'était à deux doigts. Comme dans les films, tu sais. Par contre, je suis dans le mal. Et du coup, j'ai le bracelet d'identification. Je vais parler un peu comme la meuf là. Attention, on rentre. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Ça risque pas. Bien vous. Parce qu'il y a un easter egg si on le rend. Il est là le gros port, non? Mais y a rien ici. Non, parce que tu sais, là, elle est dans le mal, et là. Oh, tout va bien. Oh, je cambre même, je prends le temps de bouger, tu vois. Genre, n'importe quoi. Bon, après, oui. J'avoue que si tu fais un jeu, tu t'en bats un peu les couilles de ce détail, mais. Ah! Ah non, mais je suis mongol, c'est là d'où je viens. Léon, il va nous voir revenir comme ça, il va faire « Ah ok, j'étais entre de bonnes mains et tout. » Non. Prends mon gun si jamais il y a des zombies, mon gars. Alors par contre, tu sais, j'aime bien parce que t'as la Anna, là. La Anna de mort. Qui se bat dans le complexe comme si c'était dimanche, sauf que nous, tu sais, il y a des putains... Ah, salut. Comment elle a pu passer de... Ça suffit de jouer au chat et à la souris. J'avoue. La partie est finie. Vous avez perdu. Bah, sur une balle. Non, c'est vrai, on peut pas parce que... Dites-moi. Il est vite reblindé. Votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Merde, la manette elle est activée, elle vibre. Ah, super, QTE. Ah, la manette elle vibre par contre, c'est chiant. Oh. Mais déjà, comment t'as réussi à t'accrocher? Mais frère, mais la manette, calme-toi, gros, c'est incroyable! La manette elle a fait un putain de bruit. Ah, mais c'est cool ça! Et gros, elle a pas mal du tout, c'est incroyable. Bon, aïe! Ah. Mais gros, mais Léon, il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle. Oh non. Monsieur Hikes. On va s'évanouir. Par contre, les petits bruits, là, le... comme ça. Lol. Ouais, j'avoue, où est Léon quand on a besoin de lui, en fait? Mais il est encore... Il s'en bat les couilles. C'est incroyable. Et ouais, mon grand, faudrait se réveiller, hein. Ah, parce que le mec il se réveille en mode c'est dimanche alors qu'il s'est pris une balle. Ah, mais elle l'a bandé en fait. Vas-y mon grand, vas-y, va la sauver. Et là on va devoir le rejouer, il va y avoir Monsieur X, on va devoir le tuer, ça, c'est logique. Merde.
Ok, alors. Alors, on a Renault Stuff de Léon. Donc, ça sert pas grand chose en soi. On a le fameux fusil qui est cheaté avec 0 balles. On a pas grand chose en vrai. Où es-tu, Ada? Où es-tu, mon gars? Enfin, on doit refaire le chemin. On est d'accord, on doit refaire le chemin de base, hein. Comment on fait? De toute façon, on peut aller que par là, donc en vrai, bah les couilles. Oh. D'accord. Ouais. Ah, on va peut-être pouvoir utiliser l'ascenseur. Ah ouais, tout simplement en fait. Écluse. D'accord. On va sauvegarder, tiens, hop, chaque fois qu'on voit un truc, on sauvegarde. Mais par contre, j'aimerais bien savoir l'époque, parce que pour avoir des machines à écrire au lieu de, je sais pas, des... Enfin, ils avaient des ordi, en fait, ouais. On s'en branle, hop. Mais du coup, attends, juste pour par curiosité, hein. Ouais, c'est vraiment être dans un appareil photo, cette merde. Tu veux pas regarder genre comme ça. Bah voilà. Par contre là s'il y a des zombies on est dans le mal genre hein. On est pas bien du tout. C'est pas là où il y avait le gros alligator. J'ai envie de sauter. Alors je suis obligé genre merci. Même pas passer là. Non. Ouais je suis obligé de sauter. Bon bah on va sauter alors. C'est au commissariat. Mais genre j'ai trop vu en plus. Bon, là c'est sûr il va y avoir le gros alligator de merde. Non on va devoir passer dans cette merde là. Ah, ça fait plaisir à pouvoir recharger. Il y a des trucs là-bas. Engagez-vous qu'il disait. Bah oui, mais connard, mais je comprends pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Faut s'engager pour la Marines. C'est même pas la Marine, je suis sûr. Maintenant, c'est les policiers, je Ok, donc déjà il faut un truc là, donc ça recommence. Hein. Avec Léon c'est les énigmes hein, par contre, hein. ça n'a pas changé, il a beaucoup de chance. Tout le temps avec lui c'est des énigmes de merde qui cassent les couilles. Alors, où ça? Ah ils sont en haut. Je peux leur tirer dessus? Ah ouais. Il est mort. Je recharge. Par contre, ouais, Léon utilise sa lumière, hein, connard. Hein. Je suis pas ta mère. Mais utilise la... Ah, c'est des balles de pompe, let's go. On en avait que deux, mais toujours ça de prix. On recharge. Ici, du coup, j'ai tout fait. Ok, donc faut que je monte. Par contre, on est d'accord que là, il est en train de marcher dans de la grosse merde. Hein. C'est des égouts, là, c'est de la merde, hein. On est d'accord, c'est pas du... C'est pas... Bon, il y a des déchets, mais c'est de la pisse et de la merde avant tout. Et il est tout propre, on dirait qu'il sort de la douche. Bon. Alors ici, il y a... Un fusil ? Ah, c'est une cassette vidéo. Intéressant, on a trop ce qu'il faut pour la regarder et tout. Incroyable, genre. Bah, attends, c'est pas lui que j'ai tué, là? Il est pas mort, hein. Il est clairement juste assommé. Pas de balles ici. De toute façon, dès qu'on voit des balles, on les prend. Hein. Ici, on peut rentrer. Non. Alors j'ai pas appuyé tout de suite. Comment il va? Ok. Ah, il est toujours mort. Non, il est toujours... Et crève, ah oui, voilà ce que j'allais dire, gros. Ah, les zombies, ils sont de plus en plus résistants, c'est chiant.
Ah, je vais... Ah. Oh. Pff. En vrai, le couteau, j'en ai tellement rien à foutre, genre. Ah, le couteau, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Non, merde, je suis trop con. Ah, si, c'est bon, je peux remonter, ok. Le couteau, vraiment, ça sert à rien. C'est juste quand tu te fais attaquer, tu peux te défendre avec, et puis voilà, mais sinon... Oh, comment ça sert tellement à rien. Et encore, tu le perds, alors en vrai... Genre, il a de la barre. Oula, ouais, en plus, j'utilise la grenade, je vais pas utiliser. Bah, du coup, j'appuie, hein. Ah non, mais c'est un composant électronique. Et ça sert à... Oh, faut que je monte. Ah non. Comment il dégaine vite. Ah ouais, du coup, je peux passer par au-dessus, je suppose. Là, c'est ouvert. Pas mort, lui. Ok, j'ai rien dit. Les zombies, ils sont plus puissants, ouais. Voilà. Il y a encore un truc aux composants électroniques ? Ah ok, donc si tu le mets et que tu l'enlèves, ça te fait... Ah d'accord. Ah, par exemple, si je le remets... Eh ben ça va le faire descendre. Ouais, ok, c'est cool, c'est intéressant. On est content de le savoir. Mais ouais, c'est... On fait quoi de ça en fait ? Genre il faut vite le mettre et vite monter dessus ? Je viens de me souvenir à quel point cette partie est chiante. Ah. Moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Genre il faut... C'est ça ou pas? Il faut l'enlever. Vite monter. Non, tu veux pas, je pense que c'est impossible. Bon, du coup on va le garder sur nous, on sait jamais. Alors. Du coup on est allé partout en fait. Là on peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. Parce que ici ça descend, ça revient là. Ah, on n'a pas fait. Ah non, le canal inférieur, on a. Ah, bah oui, on pouvait pas y aller. Ah, ok, ok. Donc en fait, je suis une grosse merde. En fait, il faut clairement aller par là. Ok, et à mon avis, dans le canal supérieur, enfin dans le canal inférieur, il va y avoir Monsieur X qui va nous poursuivre. Il va falloir activer ça, comme ça, il peut pas passer. C'est sûr, c'est ça. Moi, je mets ma main coupée, hein. Ou alors il va y avoir un monstre, un truc qui va nous suivre, il va falloir mettre ça, c'est sûr. Je dégaine le pompe, non le pompe, le pompe c'est ça ouais, je l'avais en fait. Alors, du coup ici il n'y a rien à faire, uniquement aller par là. Il fallait glisser. Ah ouais, oh. Ouais j'avoue que c'est dégueulasse, hein. Y a pas de... Y'a pas de débat. Pourquoi y'a une glissade d'ailleurs? C'est quoi que j'entends? Oh non, y a un fils de pute de monstre bleu là. Mais ça sert à quoi ça? Enfin, les plantes bleues, ça sert pour le poison, si j'ai bien compris. Mais c'est cool. Genre, on s'est pas fait empoisonner, mec. Hein. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait en soi. Là, on peut monter ou pas? Non. Il n'y aurait pas des... Il y a un truc qui est passé. J'ai vu, il y a un truc qui est passé, je pense. Je suis pas sûr, mais... Ouais, c'est vrai, c'est de la belle merde, ouais, on est d'accord. De la bonne vieille chiasse de tout... Ah, super, ça c'est bien. Hop. Ça fait des balles de pompe. 5. Ah. Pas fou, hein. On recharge tout de même, mais ça nous fait 2 chargeurs, quoi. C'est pas dingue en soi. Hein. C'est toujours ça de prix. Mais voilà. Oh! C'est quoi ça? Mais wesh. Il est mort? Il est vraiment genre pas mort. Je m'enfuis, hein. À mon avis, tu peux pas le tuer lui. Et je vais faire quoi en fait de ça là qui me vient dessus là? Oh putain. Attends, là je dois faire quoi? Parce que là, je comprends pas là. Attends, je... C'est cool hein. C'est...
Je dois le tuer, genre... Parce que j'ai quoi sur moi? J'ai rien, j'ai même plus de grenades, j'ai un couteau. Ok. Ah, j'aurais vraiment le buter, genre comme ça. Genre, ok, elle est... J'aurais pas assez de balles. C'est bon? Wesh wesh! Mais frère, mais d'où il arrive? Ouais, je suis mort. Ah, faut que je casse ces trucs là, je pense, non? Bah, c'est fini, on a perdu. On a perdu, on a plus de balles de rien, on a plus de couteau, on a perdu. C'est fini. Mais comment ça c'est je... Ça c'est genre je comprends pas, c'est... Comment tu veux gagner si t'as pas assez de balles? Genre là, si t'as pas... là je suis obligé de me faire tuer en gros. Là je dois crever. Là je dois crever. Comment elle va, Eliana? Là, je dois crever, là. Bah, attends, au pire, je peux pas recommencer, genre, ou un... Non, je peux pas, je vais me faire tuer. Il faut tuer les points faibles. Mais quel point faible? Quel point faible? Vas-y, tue-moi. Non, mais tue-moi, vas-y, y a pas de soucis, hein. Ah, je suis empoisonné. Ah, c'est ça? Et donc les plantes bleues servent à ça. Ah, d'accord. Vas-y, tue-moi. Voilà. Et du coup, c'est quoi les points faibles, en fait? C'est quoi les points faibles? La pustule, les trucs oranges, les pustules oranges. Ouais, moi, ça va de fou, hein. Ça va, Eliana. Mais ouais, du coup, c'est ces boutons jaunes là. Noé, t'aurais pu passer au lieu de tirer avec zéro balle. Je trouve plus mes écouteurs. Eh ben, c'est pas, on va pas les trouver pour toi. Hein. Mais ouais, du coup. Donc du coup, je dois. Attends, quoi? Non, en plus, je respawn loin, je crois. C'est loin, ça. Mais oui, c'est loin. Putain. Ah, c'est tout, on va faire le chemin. Non, si on s'en branle de ça. Alors par contre, dites-moi si je loupe des balles, hein, parce que... Si on a des balles, c'est toujours ça de moins à prendre. Hein. Merde, c'est vrai qu'on va descendre, là. Il n'y a pas rien à prendre, ici. Attends, je vais les chercher. Ok, bah vas-y. Hein. Okay, donc on avait déjà ces balles-là. On recharge. Si après on n'a plus rien. Mais du coup, avec le pont, je tiens ces pustules orange, hein. Ouais, là c'est vrai qu'il fallait. Ok, d'accord. Du coup, là je vais. Alors là-bas, je crois qu'il n'y avait pas un truc pour se faire des balles de pompe. Je crois que oui. Je crois qu'il y a un, genre une poudre jaune, y a pas un truc comme ça. Ah non, il demande directement des balles de pompe en fait. Hop. On prend le pompe, on recharge. Moi je gardais mes grenades pour lui. Ah ouais, bah moi j'en ai genre une. Par contre, si je dois recommencer le jeu. Et genre prendre mes grenades et les garder pour ce connard. Je sens que genre je vais câbler. J'espère honnêtement que c'est pas ça le délire. Attends, je vais le tuer aux petites balles lui. Hop.
Oula, wow, wow, la souris. J'ai mis un coup dedans, mon gars, un coup sec. Je crois que j'ai loupé la poudre jaune. Hein. Mais les grenades one-shot pas en plus. Ah ouais, donc c'est vraiment nul. Alors, il faut que je passe par ici. Lui, on va le tuer tant qu'il me voit pas. Nique ta race. Bon là j'ai perdu des petites balles, hein. Ça c'est super. Putain ils sont tombés derrière mon lit. Eh ben tu bouges le lit avec ta force herculéenne. Ok c'est cool le couteau qu'on s'en bat les reins, clairement du couteau. Alors descends STP. Là faut que j'aille tout droit. Il fallait que je tombe. Là il y a pas... Ah putain de merde. Voilà. C'est un américain, du coup il dit tout le temps merde et putain de merde. Enfin non, il dit fuck, fuck, bitches, bro, oh my god. It's death on sing to you, bitches. Hop. Petite fleur. Et là, il fallait le truc qu'on n'a pas. Ici, il y a la poudre jaune, normalement. Ah, en fait, tu le voyais, en fait, je suis trop con. C'est quoi, ça? Ah, c'est des... C'est... Je crois... Non, c'était avant la poudre jaune. Non, sérieux? C'était avant. C'était avant, je crois. Ah non, c'est bon, c'est là. Ok. J'ai eu peur, hein. Je croyais que c'était avant. Ok. Donc là, on prend bien le pompe, voilà. Et on, du coup, là, on va passer. Il va nous surprendre. Bon, pas trop, du coup. On le voit clairement. Grenade. C'est quoi ça? En tout cas, c'est les pustules. Alors, je vais prendre les petites balles parce que là, je crois qu'il va envoyer ses petits trucs de relou. Alors, les balles one shot, quand même, j'espère. Ok, c'est bon. Ok. Bon, là, on prend ça. Alors, il n'a pas encore son point faible, je crois. Si, c'est ça son point faible. Ah, oui, ok, d'accord. Ok, vas-y. Oh, faut que je tue l'œil là. Alors il est où? Là je peux passer là? Si je vais tout droit. Après si je vais tout droit, c'est bon en fait, je l'ai enculé. Là je vais prendre mon gun parce qu'il va y avoir les petits trucs dans l'eau je crois. Merde. Et là c'est bon en fait, là je peux pas, là c'est fini là. Hop, là je passe, il peut pas passer là-dedans quand même. Est-ce que ça peut me suivre sur la terre? Je regarde quand même si ça me suit sur la terre, si ça me suit sur la terre c'est relou. Ok, j'ai l'impression que ça me suit pas sur la terre donc c'est nickel. Du coup là, ah ouais, mais il va falloir revenir en plus. Alors. Un funiculaire. Intéressant. Un funiculaire intéressant, je sais même pas ce que c'est, gros. Qu'est-ce qui me baragouine? Funiculaire, frère. Mot inconnu, hein. Ouais, bah je peux passer que par là, en fait. Donc ouais, on va passer. Alors. C'est bon, j'ai récupéré. Équipe le couteau. Si un zombie te chope, tu vas utiliser la grenade. Bah, du coup, je l'ai plus. Voilà. Il n'y a que Léon en personnage. Non, il y a Claire Redfield, la sœur de Chris Redfield. C'est qui, Chris? Ben, regarde sur Google. Oh là là. Non, ok. Ok, couvre-chef. Couvre-chef. Ouais.
mettre le chapeau. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis le chapeau. Pourquoi Noé, tu dis Redfield ? C'est pas Redfield. C'est quoi ? C'est Red. Ben, c'est Redfield. Redfield. Enfin, Field. Il y a un D à la fin. Parce que t'écris Redfield. C'est Redfield. Pire, on va pas discuter d'un nom de famille, on s'en branle. De toute façon, le personnage n'existe pas, donc on s'en fout. Alors là, c'est pas là où la meuf est tombée par hasard. Je crois pas en plus, hein. Je crois que je dis de la grosse D. Alors ici, oh, attends, il y a des balles en face. Ah oui, il y en a des balles là. Comment un 2 ? Ils sont radins sur les balles, hein. C'est insane. Hein. Putain. Ils donnent deux pauvres balles de merde. Et qui pue la bite. Encore un truc à faire ici. Ou alors ça compte pour en bas. Je crois qu'on a rien à faire. Hein. J'allais faire ça pour utiliser le... Tu sais, le truc là. Ah, oui, il y avait un document. Des armes sont déclenchées en tout le nest. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends toujours... Quoi, mais j'entends des tirs et... Je n'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège, envoyé de l'aide au plus vite. La situation est espérée ici. Le nest a été condamné... A été contaminé par le virus, c'est incroyable. Le système de sécurité... C'est incroyable que le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants. Je suppose que oui, mais pourquoi? Myers et Kim sont morts. Super. Je n'arrête pas de tousser, pourquoi vous ne répondez pas? Ben, s'il n'arrête pas de tousser, c'est qu'il est mort. Directeur Owens, vous, c'était depuis le... Ok, il s'est transformé en zombie et du coup, il est mort. Ah, ici. C'est marrant. Hein. C'est ça? Non, c'est clairement ça. Va chier, gros. Bah tiens, on va tricher un peu. Loni, tu sais c'est quoi le code de ça? Ou ça, on a des balles ou des grenades, genre. Parce que voilà, voilà. Est-ce que tu sais c'est quoi le code de ce casier? Parce qu'il m'intéresse fortement. Genre, s'il y a quelques balles de pompe dedans... Cassé. Non mais non gros, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, au cas où on va essayer, t'es mec qui est con. Moi je dis c'est ça. Putain. Moi je dis c'est ça, ça. Et là c'est ça par contre. Ça. Si c'est ça, Loni, si c'est ça vraiment. Va crever Loni. C'est des balles de pistolet qu'on ultra fort je crois. Attends, mais ouais, le pistolet il est ultra gros, j'avais pas vu. Et on descend. Merci Loni au fait, hein, on remercie Loni. Hein? Ah d'accord. Ok, attention, là, monsieur X, qui va arriver en mode, eh ouais mon gars, je ne suis pas mort parce que je suis monsieur X et non pas monsieur Y. Hein? Non, pas ce bruit. Moi non plus. Mais elle Ada. Est là. Elle est parmi les ordures. Ouf, pas mal, Ada. Il va y avoir un big boss, on va devoir faire un truc de merde. J'arrive, Ada. J'arrive, bébé. Alors déjà, bébé, on va sauvegarder, hein. Parce que voilà, on a d'autres choses à foutre. On va prendre... Oh, attends, on va utiliser pas tout de suite. Bon, on va lire ces documents. Message du PDG, merci pour l'intérêt que vous portez à... Quine's Construction Industry and Company, je suis juste con. Au cours des 20 dernières années, nous avons l'honneur de travailler sur le système d'évacuation des eaux usées dans les plus grandes villes de notre pays sans jamais perdre de vue nos deux principes fondateurs que sont le design et l'aspect ludique. Ludique dans des égouts. D'accord. Chez KCC, non pas KCD, voilà, nous pensons que le fait que... Quoi ?
que le fait que notre œuvre souterraine soit souterraine n'empêche pas notre niveau de qualité de dépasser les attentes. Plus raffiné qu'une reine, plus perfectionné qu'un cavalier et plus plaisant qu'un pion, notre travail garantit la victoire à nos clients. Dans l'espoir de vous rencontrer, PDG de Kmind Construction Company, membre de l'Alliance d'échecs, conseiller du club d'échecs de Raccoon, directeur de la guilde des amateurs d'échecs. Frère, c'est le mec, il adore les échecs. Bon, je pense que j'avais compris, mais... Alors, du coup, on va regarder ce truc. Non, on s'en branle de ça. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Operation Network. Worker. D'accord. J'ai un mec qui parle en anglais, même quand il sait pas. Hop, les, attention. Que va-t-on découvrir ? Révélation sur révélation, moi, je dis. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Je t'en supplie. Ça va. Quoi, quoi ? Non, non, c'est pas ça, non. Par ici, saloperie ! C'est pas de mal. C'est pas de mal. What? Le virus, je parie que ces rats l'ont propagé. Ah, c'est les rats qui propagent le virus, pas bête. Mais du coup, attends, là... Attends, on peut pas re-regarder? Si. Allez, je vais re-regarder vite fait, vous me permettez? On peut pas faire pause pendant la cassette? Non, c'est pas possible. Je t'en supplie. Là, le... Ok, ça va être un scientifique avec une valise avec le virus. Alors il a consommé le virus, j'ai l'impression, lui. Puis ouais, du coup il s'est fait défoncer par un gars qui a consommé. Et les rats ont bu le virus. Et du coup ils se sont barrés. Les trucs dans les égouts, c'est les rats. Ah, le gros machin qui m'attaquait, c'était un putain de rat. T'es sérieux? Mais j'ai la honte là. Là je suis mort par un rat. D'accord. Bon, du coup, ouais, on a Ada qui patiente tranquillement dans la boue, en fait. Hein. Carte des égouts. Oh, putain. C'est trop gros, là. Là, je suis là. Oh, il y a... Quoi? Ah, bah oui. Balle de fusil, en effet. On recharge. Alors, il y a toujours un truc là. Ah, c'est le lecteur cassette. Donc, déjà, on peut jeter ça, hein. On va acheter du coup qu'on a pris connaissance. Et du coup on a plus rien à faire, mais du coup on va aller chercher Hadaz. Dans l'espoir toujours hein, d'avoir son snap. Accès à la zone U. J'ai perdu le truc qui expliquait comment ouvrir la porte U. Super. Pendant le dernier transfert. Je ne sais pas qui. Quoi, je sais qu'il faut brancher une prise dans chaque terminal, mais si quelqu'un se rappelle de l'ordre, soyez sympa et affichez l'info sur le tableau. Hein, il faut brancher une prise dans chaque terminal. Ah ok, d'accord. Et l'ordre est sur le... Oh non, une putain d'énigme de merde, fils de... Ah mais ça a des gueules de... Oh non! Ça se trouve, il fallait prendre le... Oh non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ça se trouve, il va falloir reprendre le composant électronique qu'on avait là. Mais j'avais pas vu que ça ressemblait à un pion, moi. Je suis vraiment trop con. Oh là là... Il semble que la tour et le cavalier soient sur le même mur. Et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour... Attends. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Alors. Donc le cavalier... Bon, ça c'est forcément le cavalier, regarde. Voilà, ça doit être le cavalier. Hop. Donc le cavalier et... Et la tour étaient sur le même truc. Tour. Non, ça c'est la reine, suivant.
C'était quoi celui-là? Merde, c'était le pion ça. Non, ça, on s'en branle. Mais du coup, il manque des pions là. Attends, déjà on va sortir. Ah non, mais non, ça, je suis con, c'est la porte qui va sortir. Ouf, putain, les énigmes de merde. Bon, en vrai, ça, on s'en branle, on va juste sortir et aller aider Ada. Enfin, si on peut, hein. On peut aller là? Non, on peut pas y aller. On peut vraiment juste appuyer sur ce truc qui va nous faire pop Monsieur X. Hein. Donc il abaisse ce truc. D'accord, pas de soucis. Bon, à un moment, on va s'y attendre le moins. Il va y avoir l'autre fils de Yinche de Monsieur X qui va revenir, hein, c'est sûr et certain. Me prenez pas pour un con. Parce qu'il n'est pas mort. Oh, fleur rouge. Ça, c'est ouais, vite fait. Oh, c'est l'outil qu'il faut pour... pour dans le... Bracelet d'identification requis pour le funiculaire. Oh là là, bracelet d'identification. Plutôt que ce mot-là à la bouche, on dirait. Alors, il y a un peu de courant électrique. Reçu de livraison. L'article ci-dessous a été livré... sur le lieu de votre facture, coffre résistant à la chaleur. Rien que ça. Hein. La combinaison est écrite sur le côté du coffre. À la craie, n'oubliez pas de l'effacer avant d'utiliser le coffre. Donc, il y a un coffre qui résiste à la chaleur. Et il y a le code qui est écrit dessus. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette... Ah, donc là, il faut le brasser, identification de fils de pute. Oui, c'est bon, on a compris, salope, hein, tu peux te taire, par exemple. Alors, du coup, il nous faut... Alors, il n'y a pas un truc là par terre, parce que je vois pas, vu qu'il n'y a pas de lampe, parce qu'il n'y a pas sa lampe, Léon. Parce que c'est un bon flic. Ici, on peut pas passer. Si, bon, on va pas y aller tout de suite, parce que ici il y a Monsieur X, hein, c'est sûr. Alors ici, normalement, il y a des... Oh, plantes bleues. Et j'en ai marre des plantes bleues. Il peut pas donner une plante verte, là? Parce que plante bleue, c'est intéressant. Ouais, cool. Alors, ouais, coffre A. Alors, 2, 12, 8, alors. 1, non. Non. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je suis con en fait. Pff, je suis trop con, moi je crois que c'est le... Je sais plus comment il fallait... Ah, ça va être sur le... Sur le pompe. Non ? Ah, du coup, là, c'est un vrai pompe, genre. Ah, il prend qu'une place! Ok, bah, ça, c'est tant mieux. Genre, là, c'est genre un truc. Et il sert à quoi? Tu dégaines plus vite, c'est quoi, juste? Non? Bon, d'accord, on a la crosse du fusil à pompe, ouais. Super. Intéressant. Combine les bleus et roses. On aura plus de plantes vertes, parce que si jamais, il faut que je fasse du soin, moi. Je peux combiner ça ensemble, non? Du coup, là... Ouais, là, j'ai tout pris, du coup, je peux... Alors, il y a un zombie, hein, ouais, ça, on a bien vu. Mais il n'y a rien d'autre. Alors, le zombie, on va le faire au fusil, hein. Pas au flingue, je veux dire. Oh, merde, il y en avait un, là. C'est bon, arrête de dire merde, gros, il dit merde tout le temps. Eh, ta maman, elle t'a pas dit que les gros mots, c'était pas bien? Ah, bah si, il y avait une plante verte, du coup, m'avait fait user une plante rouge pour de la merde, parce que là, du coup, je pourrais pas faire un méga soin. Là, j'aurais qu'un petit soin. Y'a quoi? J'ai entendu un bruit bizarre. On va pas ouvrir ça tout de suite, on va faire d'abord le tour de tout. Genre par là, par exemple.
Alors là, on est de retour ici. Ah, on va pouvoir utiliser le fameux truc. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser en vrai, peut-être, non? Je sais pas. Il va y avoir un mob et tout, j'aurais pas dû. Ou alors, j'aurais complètement dû. Et j'ai été un génie. Alors, est-ce que je peux reprendre? Ah, mais je l'ai toujours, en fait. Attends, quoi? Mais ça sert à rien, ce que j'ai fait. Si? J'ai pas compris, en tout cas. Si ça a servi à faire un truc, j'ai pas compris. Noé met la carte. Ah, oh, tu peux dézoomer, en fait, je suis con. Bon, putain, oh, j'ai un frisson, là. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, il y a les escaliers en face. Alors, les clés. On commence à être fou. Alors, j'aurais pas dû garder les pions sur moi, je suis trop con. J'aurais pas dû garder les pions. Là, je peux descendre. Ah ouais, du coup, là, je vais aller aider Hada, qui est... Non, elle est pas là. Oh, putain, je le sens mal, je sens... Il est gros, lui, un peu, non? Ah, c'est quoi, ça? C'était quoi, ça? Bah oui, c'était quoi, ce truc de merde, là? Gros, c'est écœurant. Est-ce que je peux mettre... Voilà, on va faire un méga soin comme ça. Ah, mais c'est écœurant. Ah, mais c'est les rats, je pense. Il va avoir un gros monstre. Oh non, me dis pas que ça, c'est un monstre. Oh non, je le sens mal. Je peux passer par là? Ah, il y avait un truc, là. Pas sûr que ce que j'ai fait ça soit utile, je pense pas. Mais bon, du coup, à mon avis, je peux pas encore y aller. Bon, c'est cool. En vrai, je peux aller où, en fait, à part ça? C'est le seul endroit où je peux aller, en soi. Non? Ah ben non, j'avais l'autre truc, là. Coup dur. Là où il y a le point d'exclamation. À gauche, il y a une grenade. C'est Chao, si tu peux y aller. Il y a une grenade? Où ça? Ah mais si, je peux aller... Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est de pire en pire. Ouais, j'avoue que c'est pas... Ouais, c'est pas appétissant tout ça. Hein. Et où ça qu'il y a une grenade? On va juste avancer normalement. Hein. La blague, ça va être que ce gros truc là, là, ce truc là, ça va être un monstre. Ça va être ça la blague, genre. Enfin, la blague. Oh, de retour, fils de pute. Ça, c'est un rat, ça? Et ta grand-mère, le rat, ouais. Ah, mais c'est le même rat que tout à l'heure, en fait. Oh, je me casse. Je peux pas me barrer, en fait. Ah si, c'est bon, il est mort. Let's go! Allez, hop, on reprend le couteau. On a plus de balles de pompe en revanche, je crois. Ouais, du coup, on va devoir reprendre le gun. Alors, pas un deuxième, s'il te plaît. Parce que déjà, un, j'ai dû le faire en deux fois, carrément. Ah, j'ai cru que c'était un objet, ça. Il y en a un deuxième, je crois. Non, mais frère, sérieux? Non, mais sérieux? Et gros, il s'agirait de doser, genre. J'ai plus de balles. On va prendre le troisième gun. Ok, ok, vas-y, vas-y. Oui. Let's do this. Alright. Ah ouais, ce gun-là, il est grave fort, en fait. Par contre, c'est bon, là, gros, ça suffit. Là, j'en ai marre. Là, il y en a trop eu, là, pour moi. Et du coup, elle est où, la grenade? Encore, ça fait beaucoup, là, non? Regarde, mais j'avoue que là, c'est trop, là. Deux rats, frère. Enfin, deux rats. Deux... Non, mais frère, non, mais c'est bon. C'est bon, ça suffit!
Ok, lui c'est bon, il a déjà l'œil en vrai, donc j'ai juste à... Ok, je suis mort. Je ne peux pas passer. Bah du coup je me casse. Mais non, je peux pas me casser en fait, là c'est foutu là. Encore le couteau. Je vais juste passer à côté de lui en mode tout va bien. Voilà. Moi, tout est au calme. Là je rentre dans son truc. Non, je peux pas, ok. Bon bah je me casse de ce côté là. Moi je dis il peut pas me suivre. Du coup je me barre. Alors problème numéro 1, j'ai plus de balles. Ça c'est que l'étape 1, ça c'est que le problème, est-ce que problème numéro 1. Problème numéro 2, j'ai pas été au point d'exclamation. Problème numéro 4, il y a lui que je peux pas faire péter. Trop de problèmes hein, dans ce jeu. Ok, donc ici il y a un truc à trouver. Comme des balles par exemple, des balles ce serait bien. Il y a des balles derrière. Il y avait des balles où t'avais regardé le chat avant que le monstre arrive. Regarde la map. Merci Loni. Hein. Alors, eh mais... Dans quoi? Où ça? Ah ok, j'avais pas vu. Hop. Yeah. Alors... Putain, c'est con ça, c'est con ça. Il y avait 3 balles de trucs ultra cheatés. Et on a plus rien. Oh, il y a la tour. Hop. The towers. Mais du coup, je vais devoir faire machine arrière. Ah, ok. Cool. Ouais, du coup, je disais, là, je vais devoir faire machine arrière. Et là, c'est The Queen. Ça fonctionne pas, ok, d'accord. Donc les trucs ont vraiment un emplacement à eux quoi. Alors j'ai... En fait j'ai plein de trucs encore. Ah, plantes bleues ici. Trop de plantes bleues hein. Est-ce que je peux combiner... Non pas regarde, on s'en branle gros. Est-ce que je peux combiner les plantes bleues? Non je peux pas, c'est vraiment un usage unique. Parce que là en gros on est full et ça me... Pardon, c'est quoi ce truc là? Oh, attends, ça a l'air incroyable ce truc là. Attends, il me le faut. Ah c'est cool ça, quand tu peux plus revenir, c'est intéressant. Bah du coup, je dois remettre le... C'est la queen là que j'ai? Ah mais non, attends, je suis trop con, regarde, hop. Queen, et là... Là c'est le queen aussi là. Et voilà, je suis trop con. Ah oui. J'ai un de QI. C'est un lance-flamme. Pouah, attends, un lance-flamme. Pourquoi je sens qu'il va nous servir à rien, genre. Queen? Non, King. Ben c'est cool parce que... Oh la vache, le truc il a l'air insane. C'est cool parce que le truc King et tout, on l'a trop... Enfin, c'est incroyable. Oh bordel. Monsieur X? Attends, je vais reprendre les... Oh, c'est le king, je crois, non? Oh, ouais, c'est le king. Let's go, sauf que là, du coup, ça va se fermer. Intéressant. Intéressant, me direz-vous. Ok, là... Oh! Mais quel enculé, frère, d'où? Attends, mais d'où tu pouvais le voir, lui? Bah ouais, bordel de merde. Là, c'est bien... Le mot est bien choisi pour dire ça, Léon. Alors, par contre, là, je vais où? Ok, je suis revenu là. Donc là, en fait, juste à faire... Bon, déjà, attirer ce connard... Non mais c'est sérieux, mais non mais il fait exprès, c'est pas possible. Viens là. Là tu sais pas d'où il vient. Tu sais pas comment il s'appelle. Voilà, hop. Je le lance flammé lui, hein. C'est bon, il m'a saoulé. Hop, King. Il est mort lui, hop, voilà. On prend ça. Vous pouvez enflammer la cible, plus les flammes générées, quoi. Plus vous enflammerez votre cible et plus les flammes générées seront grandes. Et
Oh putain. Bah drop une plante bleue, hein, on n'a pas le choix. Malheureusement. Et on met le lance. Ah il a 400. Oh non il a quand même genre des PV. Oh oui d'accord. Ouais, le truc c'est Rambo frère. Il est où le zombie qu'on le voit un peu? Ça tire de loin ou pas? Sérieux? Putain de merde. Il est insensible? Mais gros, mais nique ta race. Ah non, c'est moi aussi, il est sensible, j'ai l'impression. Ah, mais pas du tout en fait. Bah ouais, mais quoi, je suis déjà en danger. Mais frère, mais les zombies, c'est quoi? C'est. Crève, gros. Ouais, mais faut l'user longtemps en fait, le lance-flamme. Moi, je croyais que tu mettais un petit coup et c'était fini. Et bordel. Bah, on va rejeter une. On va rejeter une plante bleue, c'est pas grave. C'est comme si on en avait pas du tout besoin, c'est hop là. Parce que je crois que celui-là, il me le faut en plus pour... Alors là, comment je fais pour sortir? Par contre, je me souviens plus. Donc c'est bien rigolo tout ça. Et j'ai oublié de reprendre le king. Donc je suis... On dit... Dans la merde. Alors le queen, c'est lui. Mais en fait, comment tu fais? Parce que t'as besoin de la queen pour faire l'énigme là du truc. Et là, il faut quoi? Le king. Ah oui, le king, t'en avais pas besoin. Ok, ok, donc il faut que j'aille rechercher le king. J'espère, mais j'espère au plus profond de moi que... Oh non, il fallait l'ouvrir de l'intérieur. Je suis débile, j'ai un de QI. Alors, du coup... Il est mort, le zombie. Dis-moi qu'il est mort, quand même. Ouais, du coup, il faut que je cherche la queen. Pff, attends, je vais me soigner aussi. Tiens, comme ça, on va user les trucs. Voilà. Ça, on reprend... Ça, on met la queen. Voilà. MDR, il a tout vu sauf l'arme. Quoi? C'est pas ma faute, tu regardes toutes les 10 minutes le chat. Bah oui, bah, j'essaie d'être dans le jeu un peu, parce que si je regarde toutes les secondes comme ça... Ah non, non, justement, je regarde trop le chat, tu veux dire. Je reviens, c'est un lance-flamme, c'est ultra efficace sur les rats... viens là, dans les faces à elle meurt. Mais t'aurais pu mettre la plante bleue sur les deux verres. Noé bête. Mais excuse-moi, excuse-moi Loni, de ne pas avoir fini le jeu 4 fois, même plus certainement. Excuse-moi, monsieur. Ah non, je suis con, attends, hop. Là, je fais ça. Hop. Et là, je vais là-dedans. Je déverrouille. On a tous entendu le zombie. Hein. Donc il est pas mort. Donc le lance-flamme pue la merde. Hein. Il est où? Ah, il est là-haut. Oh putain. Mais crève, grosse putain. Ben voilà. Ben, il s'agirait de crever. Donc le lance-flamme, c'est super efficace sur les rats, tu dis? Bah ben, c'est cool parce que j'utilise que sur des rats depuis tout à l'heure. Pas du tout, j'utilise sur des zombies de merde. Alors, je repasse par là. Là, je mets. Non, c'est quoi qu'il faut mettre? Ah oui, là, il faut que je mette le roi ici. Attends, quoi? Attends, je comprends rien en fait là. Ah si, ok, ok, ok. Donc là, je mets la queen. Elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas. Waouh, putain, frère, mon QI, il est élevé, hein. C'est incroyable. Alors, hop, là, je mets la queen. Queen ici. Là, je mets le king. Parce que le king, on en a pas besoin, a priori. Hop, je mets le king. Et je reprends la queen. Et je fais le tour par le king. Ça veut rien dire. Ce que je dis, c'est fou, comme ça veut rien dire, mais moi, je me comprends. Vous avez compris. Garde lance-flamme pour les rats. J'ai mangé un petit fondant au chocolat. MDR, il est mort en buguant. Récupère les deux pièces d'échecs. Noé, la queen, t'as pris la pièce. Alors j'ai pas pris le king, mais le king c'est pas nécessaire. Ah bah si, je peux le prendre là, attends, hop. Ah bah oui, du coup, hop. Et là, voilà. Ah oui, bah en effet, ouais, je suis con. Du coup,
Et du coup, on n'a plus rien à prendre ici. Sauf que j'ai beaucoup trop de pièces d'échecs. Hein. Du coup, là, va falloir que je les pose un peu. Tout en repassant où il y a les rats. Super. Bah, normalement, il en reste qu'un. Ouais, il en reste qu'un. Et... Bon, je vais le buter, hein, clairement. Allez. Viens là, sale rat. J'avoue que c'est plutôt efficace sur les rats. Alors, les petites balles de mag. Ça, c'est cool, ça. C'est cool. Bon, ben, on va rajouter une plante bleue. Recharge. Ah. Par contre, c'est chiant, là. Là, notre inventaire, il est un peu plein. Il faut que j'aille vider les trucs au... Alors, par contre, il n'y en a pas d'autres de rats, quand même. Il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Alors, en face, il n'y a pas un truc, là. C'est une casquette. Ok, d'accord. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres... Oh, si! Il y a un autre rat, frère! Et là, j'ai rien pour me défendre. Je crois que je passe plutôt. J'ai rien. Je vais être empoisonné. Ça va être l'occasion, ça va être la bonne occasion d'utiliser ça. Ah, ah, attention quand même. Ok. Lance-flamme. Ah. Eh, saloperie. Il crève. Voilà. Enfin, il est mort. Il est pas mort. C'est bon. Ah, putain de merde. Putain de merde. Et heureusement qu'on avait le lance-flamme, hein. Putain. GG à l'ONI qui passe niveau 56. Dans un niveau, c'est Chaud Xyrod. Ah, eh bien... Eh bien, c'est Chaud Xyrod, comme on dit. Alors, ensuite. Eh ben, ensuite, on va... On va déjà passer par là. Voilà. J'ai pas de soins, donc ça, c'est cool que je suis en attention. C'est cool. Oui. Bonjour. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Salut les frères. Là, je suis dans la merde. Lui, il faut au moins que je brûle. Hop, je passe derrière lui, ça se trouve, il ne tuera pas. Let's go. Alors lui, je peux l'esquiver, lui, je pense. Là, c'est quoi ça? Ouais, frère, mais non, mais c'est bon, ça suffit! Ça suffit, gros! C'est bon, les grosses putes dans votre genre, là, voilà, crevez! Hey, sauf que c'est chiant d'utiliser le lance-flamme pour ces merdes comme ça. Et c'est où le... Merde, merde. Mais je suis... Attends, je comprends rien, là. J'ai pas compris. Ah, mais attends! Mais ça, le bouclier, là... Ah, mais c'est trop bien, en fait, les rouges et les bleus. Les rouges et bleus, genre, ça te protège, en fait. Enfin, il semble blague, on savait, mais... Vous avez capté, quoi. Vous avez pas capté, bah tant pis pour vous. Moi, je me suis compris. Bah, en gros, en fait, quand il te mange, ça peut-être pas de dégâts, en fait. Bientôt dans le top 3, Loni. J'avoue. Magic Pepou, c'est le deuxième, non? C'est qui le deuxième, déjà? C'est Magic Pepou, il me semble, ouais, c'est sûr. C'est sûr, même. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Alors, du coup... Alors, c'est le cavalier et la tour, hein, qui sont au même truc. Cavalier, tour... Attends, je vais relire quand même le truc. La tour et le cavalier. Donc, cavalier, c'est là. La tour, c'est là. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Hop. Hop.
là c'est... Ça c'est, le... c'est celui-là. Et... La reine et le fou ne sont pas côte à côte. Là c'est le cavalier. Donc, attends, donc ça veut dire que celui-là était là. Et que... Celui-là était là. Mais c'est pas la tour que j'ai là en fait. C'est la reine, je crois. Ouais, prise reine, ouais, voilà. Hop, et du coup, le fou... Le fou, c'est celui-là. Mais le fou, on l'a pas pris, putain. Il est où, le fou? Il est là. Et putain, le chemin que je dois faire... Attends, y a pas un autre moyen d'y aller là? Chou. Ah non, y a pas d'autre moyen. Ouais, du coup là, j'en ai oublié un comme un con. Et je me retrouve baisé en fait. Parce que là, je peux pas passer. Et a priori, il y a pas d'autre moyen de passer. Donc là, voilà, je. Ouais, c'est Pépou, et tu connais la première, Thanos niveau 89. Du coup, je serai Modo. Noé, du coup, j'avais dit les LED rouges. Ah ouais, j'avais pas vu. Alors. Juste, je regarde, mais... Ok, faut que je retourne en arrière, que je retourne dans les... conduit, que je repasse par là, que je monte ici, que je repasse ici, ensuite j'y serai. Ok. Donc en gros, il faut que je redescende là où il y avait les zombies et que... Ah bah non, je peux pas passer en fait là. Si, je peux passer. Quand c'est comme ça, c'est que je peux passer ou pas? Je comprends pas. Je peux pas passer quand c'est comme ça, quand c'est en pointillé. Je peux pas passer quand c'est en pointillé. Ah si, bah si, c'est des zones où, en gros... Ah si, en fait, je peux passer. C'est là où il y a la grenade. Ok, bah j'y vais, du coup. Hein. Même si je suis dans le mal. Ah, et puis j'ai plus le truc qui va me protéger. Ça va être relou, ce qui va se passer. Mais on est obligé de passer par là, c'est obligatoire. Donc en gros, j'étais un gros con de laisser le truc, en fait. J'aurais pas dû... J'aurais dû garder la reine en fait. J'aurais dû garder le pion que j'avais. Alors c'est par où c'est. C'est par où en fait? Ah ouais, c'est par là, ok, c'est bien par là. Hop, c'est par là. Donc là, faut faire attention aux zombies qui vont m'intercepter. Parce qu'ils vont m'intercepter, c'est sûr. Hein. Et voilà, ils sont de retour. J'ai essayé d'esquiver, mais bon, voilà. Ok, c'est bon, j'ai réussi à esquiver. Et du coup, là, il y a une grenade là-dedans. Alors déjà... Ah oui, déjà, je peux... Non, mais sérieux! Mais gros, mais c'est bon! Je suis mort, voilà. Ouais, c'est terminé. Ouais, c'est vrai qu'il me tue pas, il me dit que c'est un peu... Alors Léon est quand même sacrément balèze pour... Ah mais je suis en danger en plus. Ah ouais, donc en fait ils me font des dégâts en fait. Ouais, donc je suis mort. Enfin mais c'est bon, mais les frères, les rats c'est trop fort. Là ça commence à me saouler parce que là je me dis y a aucune échappatoire, y a rien à faire. Là, c'est foutu, c'est mort en fait. Il y a des balles de pompe. Ça va pas me sauver, des balles de pompe. Ça va pas me sauver. Il y a pas de soin en plus. Il y a même pas de soin. Mais là, gros, là, je suis... C'est juste foutu, en fait.
Et là, faut que j'aille où déjà? J'ai déjà oublié. Eh. Mais je suis où là? Ah mais en fait, là où j'ai été, c'est de la merde en fait. Eh mais en fait, là où j'ai été, c'est de la grosse D. Parce que là, je pensais que tu pouvais remonter par là, mais en fait, c'est mort. Attends, il y a peut-être le monte-charge qui pourra nous sauver, attends. Bon, remets-moi où il y a le monte-charge, là, voilà. Le monte-charge, il met nous. Oh, let's go. Ok, le monte-charge nous a sauvés. Ouais, c'est bon, en fait, le monte-charge, il nous a sauvés. Et je m'en bats les couilles de la grenade, de toute façon, je recroiserai plus ces rats de mort. On s'en fout, putain. On s'en fout de la pellicule. Des balles, waouh. Incroyable, il m'en donne après coup. Ils sont trop gentils. Ah, super, des trucs qui nous donnent de la place. Et il n'y a rien d'autre, comme par hasard. Tu vois, il y aurait pu y avoir, je sais pas, genre... Du soin. Par exemple, hein, je dis ça, je dis rien. Oh putain. Vite, prends ça, vite. Et barre-toi. Mais frère, mais d'où il y en a un là? C'est mythe, c'est fini. Voilà, Léon est mort. Putain. Mais gros, c'est chiant! Ça commence à m'énerver, là. Comment tu veux faire? Il y a 20 mobs, t'as 0 balle, t'as rien. Et je commence là, en plus. Mais vas-y, mais c'est quoi cette merde? Et vas-y, c'est bon, ça me saoule. Vas-y, je prends ça. Je me casse, gros, c'est bon. Nique... Mais quoi? Et ça l'a même pas pris! Eh, vas-y, nique sa mère, gros, nique sa mère. Allez, vas-y, meurs. Vas-y, Pierre Léon meurt, vas-y, c'est plus simple comme ça. Vas-y, t'es pas découpé, c'est mieux, c'est agréable. Oh, mais gros, mais c'est mort en fait, là, voilà. Et nique ta mère, je m'en fous, gros. Aide à la visée, qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'aide à la visée, gros. C'est pas ça qui va m'empêcher, j'ai pas de balles. Ils sont marrants, eux, aide à la visée, j'ai pas de balles. Et ils sont drôles. Ah, vraiment, ils sont marrants. Ils ont un sens de l'humour très développé, ces fils de pute. Voilà, hop, vas-y, casse-toi. Là, lui, il s'est relevé. Et voilà, je vais devoir tuer lui d'abord. Il est pas mort. Voilà, j'ai plus de balles, donc là, je vais devoir retourner là où il y a le rat. Et ce qui va être drôle, vous avez compris, hein, ce qui va être drôle, c'est que j'ai pas de balles, j'ai rien, gros, j'ai rien. Donc je vais devoir passer là où il y a le rat. Alors que j'ai pas de balles. C'est ce que le jeu est en train de me dire là. Hein. C'est ce que le jeu me dit en gros. Ouais, je suis mort. Ça va être la fin du live parce que ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Gros, c'est chiant. Faites-moi dépop les mobs à ce niveau-là, gros. C'est bon. C'est de la merde. Parce que là, je suis obligé de repasser par là. Il n'y a pas d'autre moyen de retourner à cet endroit-là. Bah non. Non, je suis obligé de repasser par le mob en fait. Il est où? Bah oui, il est là ce mob de merde, bah oui. Il est pile poil là où je veux aller, bah oui, c'est ça. Bon allez, on y va. On se fait tuer par lui. On va se faire tuer. Passe à côté, voilà. Mes frères! Non mais non, c'est une blague. Non, c'est trop. Le jeu est impossible. Le jeu est impossible. Ils se foutent de ma gueule, là. Non mais là, c'est du foutage de gueule. Comment je fais, là? D'accord. Ok. Non mais c'est trop. Là, comment, techniquement parlant, comment j'aurais fait pour survivre, en vrai? Comment j'aurais fait? Mais j'ai même pas pris le bon endroit, en plus! Je comprends pas. Attends, là, j'ai été où? J'étais là, il faut que j'aille où, en fait? Ah bah oui, j'ai pris le mauvais chemin. Bah oui, je suis un con. Donc là, je vais devoir passer devant le rat qui est en train de faire je sais pas quoi, là. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, hein, vraiment, j'ai pas d'idée. Bref, du coup, j'ai pris le mauvais chemin.
Putain, nique ta mère, gros, ta grand-mère la pute, gros, c'est tout, y'a pas d'autre chemin. Pas d'autre histoire, pas d'autre issue. Ça me saoule. Là, le jeu est nul. De Resident Evil, là, frère, c'est de la merde. Hein. Bon, je suis entre la vie et la mort. J'ai pas de soins parce qu'ils t'en donnent plus. Hein. Ils ont décidé qu'à partir d'un moment, les soins, ça servait à rien. Tu vois. On met des mobs plus durs, par contre, on met pas des soins avec. Hein. Là, non, vous allez vous faire enculer, c'est mieux, je pense. Hop, et du coup, la tour ici, c'est pas ça, j'imagine, c'est pas ça. Non. Là, j'ai mis quoi, là? Là, c'est le roi. Là, c'est la reine. Là, c'est celui-là. Mais celui-là, c'est pas le fou. Celui-là, ça, c'est juste le pion. Ah, et la tour, du coup, c'est là. Bon, là, faut juste inverser les deux, en fait. Voilà, et là, c'est la tour. Ah voilà. Ok, j'y suis presque là. Ben ouais, j'y suis presque, mais mort, genre. Il va y avoir Monsieur X, parce que c'est sûr, il va y être, ce connard. Il me donne pas de soins sur le chemin? Non, vraiment, on va se faire enculer. Mais pourquoi c'est encore rouge, là? D'accord. Pourquoi c'est encore rouge aussi, là? Truc de sauvegarde là. C'est le magnétoscope. Et là c'est quoi? Prise. Ah, mais ils sont drôles, je viens de le mettre le truc. Ah bah c'est bien, ils me donnent bien des plantes bleues, fils de pute. Donne-moi des plantes bleues encore. Ça m'aiderait. Vraiment des plantes bleues ça. Ah bah voilà, bah putain, waouh! Il en fallait du temps hein. Waouh, il en fallait du temps. On peut combiner ou pas? Ce mélange élimine toutes les toxines de votre corps, restant légèrement la santé. Dans ce cas-là, hop, utilise juste moi ça. Y a plus rien ici. Voilà, je rescroll, mais non, y a plus rien. Ici, on peut ouvrir, mais d'abord, on va explorer les autres endroits. J'ai des balles, ouais. Ah! Ça, ils nous redonnent un peu de trucs. Là, ils se sont dit, ah, peut-être que ce connard est en difficulté. Hein. Faudrait peut-être l'aider. Oula, le jeu a lag, là. Soigne-toi. Bah oui, bah c'est bon, je me suis soigné, là. Qu'est-ce que tu veux? Ok, là, oui, c'est le truc. Il faut... D'accord. Ok. D'accord. Fils de pute. Je fais quoi là? C'est bon. Je vais mourir. Je dois faire quoi là? Mais... Je passe par les fenêtres? Quoi? Et gros, mais je vais crever. Mais c'est trop bien ce jeu est trop bien. Il est incroyable le jeu, il est incroyable. Et je fais quoi là? Mais c'est qu'ils ont le sens de l'humour. Il faut que je fasse quoi en fait là? J'ai pas compris. Là j'ai pas les notions. Oh merde! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah non, mais gros. Mais lol, mais je fais quoi, en fait, là? C'est en train de m'énerver. Non, mais là, c'est pas drôle, là c'est juste nul.
Mais gros, mais le mec, il met 20 coups à la seconde, et je recommence mort en plus. Non mais là, c'est quand même genre très très grave, là. Là, c'est hard un peu, en vrai. Hein. C'est que là, techniquement, là, c'est quand même... C'est comment je fais pour esquiver déjà les trucs qui sortent du plafond? Hein? Parce que ça, en fait, ça m'enlève toute ma vie que je sois à droite, à gauche, en bas, en haut, hein. Je veux pas d'excuses. Là, c'était lui. Non? Ouais, c'était ça. Il tape que là où t'es, donc court partout. Mais frère, mais comment... C'est très drôle aussi. Le mec, il court pas du tout vite. C'est fou, genre, il court pas du tout vite. Non mais frère, non, je suis trop nul. Là, c'est moi qui est nul, là. Ok, donc là, il va passer là, et là, je fais comment, là? Mais attends, quel fils de pute je suis. J'ai pas de balles, là. Je sais quoi, hop, vas-y, je passe. Hop. Technique, tu te prends un coup et tu passes après. Et j'imagine que lui, il va vite. C'est ça, le délire? C'est que lui, genre, vu qu'il est sur deux pattes, etc. Mais frère, mais quoi? Non mais gros, non mais c'est bon. Mais gros, il va me taper des pointes à la gueule, c'est quoi ce bordel? Sérieusement, là? Il va me taper des pointes comme ça à la gueule. Mais lol. Non mais frère... Lol, j'ai un couteau incroyable. Une grenade éclairante également. Oh mes frères! Ok, je vois ce qu'il faut faire. Faut l'emmener là-dessus en fait. La merde. Bon, par contre, là le jeu il s'est mis en facile là, je crois. Attends, quoi? Faut que je refasse tourner vite. Ouais, ok, là le jeu il s'est mis en facile, du coup je peux tanker v'là les coups, sauf que c'est de la merde. Vas-y. Les prairies. Je suis mort aussi, j'imagine. Mais lol. Mais quoi? Mais gros, je crois. Attends, je crois que je suis le joueur le plus nul à ce jeu, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est genre insane. Mais honnêtement, tu joues la première fois au jeu en normal. Tu vas pas me dire que... Ouais, frère, c'est juste... J'ai pas compris, hein, vraiment. Frère, mais nique ta mère, là. Mets-le, ça. Et puis, hop, prends le couteau aussi. Si je cours juste comme ça autour, il va plus vite que moi, en fait. C'est quoi, là? Faut que je lui tape dans l'œil en fait, faut que je fasse quoi? Juste en fait je pense que je peux pas le tuer. Et du coup j'use mes balles pour rien. Donc je suis une merde. Bah viens sur moi bâtard, voilà. Et hop là c'est bon, il dégage. Non mais quoi? Mais frère, mais c'est bon. Mais c'est bon. Non mais lol, mais faites un jeu possible, s'il vous plaît, faites un jeu possible. Non mais parce que là, c'est trop. Je me suis dit, allez, c'est bon, il va se faire éjecter, c'est fini. On aura bien rigolé. Là, en fait, non. Là. Et appuie sur le bouton, vite, là, dépêche-toi. Ok, c'est bon, j'arrive à esquiver un minimum. Ah mais c'est cool quand il me tape quand je suis en train d'appuyer sur le bouton. C'est agréable. Allez, là il faut que tu viennes, bâtard, vas-y.
Là j'esquive. Ok, et là, tu meurs. Tu meurs même. Mais frère, mais il faut crever. Il faut crever. Eh oui. Il va mourir quand même. Mais lol. Ah voilà. Ah merci. Merci putain. J'aurais pas eu le courage de refaire un troisième vraiment. Ça m'aurait plus énervé qu'autre chose. J'espère que c'est fini cette fois. Eh bah moi aussi connard. Il est beau lui. Mais c'est quoi cette... Vraiment par contre là le jeu commence à devenir un peu trop dur pour moi. Hein. Vraiment. Je me plaignais des énigmes et tout, mais en fait c'est la. C'est la meilleure partie en fait. Hein. Parce que là gros c'est. Là c'est juste de la merde en fait. Hein. Vraiment là ce qui est en train de se passer, bon. Voilà. Si j'avais su les. J'aurais dit moins du mal de les... des énigmes qu'il y avait dans le commissariat. Hein. Vraiment un commissariat incroyable. Hein. Là vraiment, c'est mid-tier hein, là ce qui est en train de se passer. Hein. Pas fou. Ah oui, c'est la porte qui était bloquée. Ouais. Il y avait encore de le... Il y avait des balles de mag. Ouais, là par contre, là c'est plus trop drôle, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon, allez, au moins, s'il te plaît, au moins à la fin il sort avec Ada, frère. Parce que là, sinon, c'est, on aurait fait tout ça pour rien. Ada ! Ada, où es-tu ? Elle s'est transformée en mob. Non ? Ada ! Je commençais à m'inquiéter. Je sais pas si je devrais. Fais-le, je peux pas marcher avec ça. Ouais, mais tu vas faire une hémorragie après. Ça va faire mal. Ah oui, il l'a retiré comme ça. Ça va, je peux le faire. Détends-toi, ok ? Ça va, je peux le faire. Quelle femme forte. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais lol, le mec il sourit. Et alors hmm, c'est bien. Tout va bien. Pendant que tu le perds encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. Mais lol, Léon, quel beau gosse. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Okay. Oh, c'est bon. Fais attention. Elle va se péter la gueule, on va la retenir et tu tout. Peux m'aider ? Il faut qu'on aille au Nest. Comment elle marche, par contre ? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant ? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. Ok, je crois que je peux caser ça dans mon planning. Donc... Oui, chef. Ok, oui, chef, maintenant il n'y a plus de rigolo. Hein, t'es une zombie, je te bute. Le funiculaire nous amènera au Nest. Lol, on est tous les deux comme des grosses merdes là. Ah ouais, agent secret, plus plus, mon gars. Par contre, madame, avance plus vite, sinon je te bute. Hein. Allez, pas de soucis. Est-ce que genre il y a un bug où tu peux genre la buter? Ou genre ça passe à travers. Ou alors si tu lui tires dessus, elle meurt et ça te fait recommencer. Ça serait drôle ça. Ça serait drôle mais chiant mais ce serait drôle. Genre quand tu lui tires dessus, genre elle crève et que ça te fasse... Oh, vous avez tué un de vos alliés, vous recommencez. Oh, ma jambe. Laisse-moi te porter. Non, je me sentirais encore plus mal. Ah ouais, ok bah là... Une balle dans la tête, moi je dis c'est une bonne punition pour cette insulte. Comment ça? Tu serais pas beau sur mon petit dos avec mon fusil à pompe là qui va te rentrer dans comment le... Comment va ton épaule? Pire que ça en a l'air. On fait la paire. Tous les deux un pied dans la tombe. J'avoue. Mais toi tu vas mourir la première. Pourquoi? Je dirais pas. Et genre une petite balle dans la tête de Léon par exemple. Par jalousie.
pourrais le faire. Comment ça, moi je suis juste officier, toi t'es agent du FBI. Hop, comme ça on échange nos places. Ouais, ces derniers mots au fur. Prends ma place au FBI. C'est vrai qu'il sait pas mentir. Ah, du coup on va pouvoir y aller avec le bracelet qu'elle a eu, l'autre. Ah oui, d'accord. Hop, nouveau fusil à pompe trop fort avec balles illimitées. Ok, pas du tout. Hop, moi je dis non, mais il faut aller en haut, madame. Bon, bah tant pis. Bah, moi je vais en haut. Ce sera tant pis pour toi. Bien fait pour toi, ça t'apprendra. Ah, mais non, mais c'est un truc qui va jusqu'en bas en fait. Ah, d'accord. Mais pourquoi c'est toujours rouge là? Je comprends pas. Je pense que c'est un bug. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léon. Ouais, et ah, c'est moi qui dois appuyer, genre. Ah, ouais, c'est moi qui ai la responsabilité de si on crève. Ok, d'accord, j'ai compris. Agent du FBI, ouais. Ok, d'accord. Pas de soucis. Le mec fait quand même la manette c'est avec son bras. Veuillez ne pas sortir avant la destination. Comment avec le bras blessé. Hein. Il est trop con. Un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Ah bon, mais moi aussi. Moi aussi, mais que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seul. Hé, hey, Léon, tu me fais confiance? Bah non, Léon, il veut aussi sa part du gâteau, frère. Va le dire, moi aussi, hein. J'ai aidé, frère. Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, oh, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale, Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. Bah ouais, mais con, ouais. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. J'avoue, gros, attention. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Oh. Mais lol. Mais pourquoi? Je viens de savoir que c'est un BG et tout. Putain, yes. Moi, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ils se sont connus il y a une heure, hein. Et je veux te revoir aussi. Je veux te revoir. Mes frères, mec. En fait, je me dis à la fois, bon, c'était sûr, mais pas là. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Oh là là! Ok, Léon, mon gars! Je le respecte juste pour ça, hein. Sinon tout le reste, je m'en bats les couilles. Elle ne met pas le pistolet aussi pour analyser les trucs. Ok, bah grosse salope. Ok, on la tue. Regarde. Hop, elle a la fenêtre là, regarde. Hop! Là, tu m'as embrassé, c'était bien marrant. Hein. Hop! Non, je rigole. On n'a pas encore passé la nuit de noces. Ce sera après tout ça. Ouais, du coup, je suis à un endroit inconnu. Inconnu de tous. Oh non! Oh, je sens la reine de combat, là. Vous sentez la reine de combat, là, ici, là? Il va y avoir Nemesis. Non, pas Nemesis, c'est pas le bon truc. Pas le bon jeu. Ah non, en fait, c'est une porte. Ouais, lol. Pourquoi ça n'avait pas un schéma de porte? Je le sens mal. En plus, gros, on est blessé, on est dans le mal. Si y a un mec, n'importe qui, on est foutu. Il y a le connard de Monsieur X juste derrière. Je vais m'éloigner un peu de l'ouverture complète des portes, tu vois ce que. Ah, c'est marrant, la dernière porte, genre, elle s'ouvre pas. C'est drôle. Ah ouais, mais les bureaux, gros, ils sont... Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Ah ouais. Ah ouais, au calme. Ah ouais, au calme. Vous savez à quel jeu ça me fait penser, là? Ça me fait penser à The Forest, un peu. Si vous connaissez, pour ceux qui... Bah, je le fais sur la chaîne le samedi, mais bon, là, on l'a pas fait cette semaine, parce que Evan n'était pas disponible. Mais ça me fait penser un peu à The Forest. Dans le sens où, en gros, c'est un truc un peu rustique au-dessus, genre des zombies et tout, machin. Et en fait, c'est un labo ultra professionnel qui est derrière tout ça. Oh putain, j'ai fait des guillemets comme un gros fils de pute, là. Je m'en rends compte qu'après coup. Je sais pas si j'ai... Je regarde deux fois d'affilée, je sais pas pourquoi. Journal de la salle de repos. Toby Jackson arrivé 8h44.
Alors, faut peut-être retenir les nombres là. Donc, 18, 54. Oh putain, je sens qu'il va y avoir des trucs avec ça. Ah! Départ. Oula! Donc, Wayne Lee, ok. Wayne Lee, ça va être le boss de ce moment. Wayne Lee. Oh, ah oui, oui, quand même, genre... Ça fait très très peur, ça. On peut pas se poser deux minutes histoire de récup. Genre, tu sais, on passe la nuit. Ce mec, il se croit trop dans ma... Il a trop joué à Minecraft, trop joué. Ok, ça se met bien. Ok, là je pense que c'est une zone un peu où on va se remettre bien en tout. Et après, ça va repartir en couille comme avant, en fait. Je pense que, en fait, le jeu, c'est ça, c'est... Tu te mets bien, ensuite ça part en couille, tu perds tout. Ensuite, t'as un peu de moment où, genre, t'as rien et tu subis, en fait, le jeu. Et après, voilà quoi, c'est chiant. Fesse est le mot interdit de la chaîne. Comment ça, fesse? Ici, j'ai répondu à la chaîne. À fesse. Oula, j'arrive. Comment il va, speedoozing? Il a déjà fini. Moi, je suis au même endroit avec deux sauvegardes. C'est le frère à Batman. Ça, par exemple, c'était pas fou, hein, Loni. Hein. Vraiment. Il n'y a plus de gens en ce moment. Bah moi je suis en train de faire les Resident Evil. Bon, je paye pour ça. Donc sub. Genre Lilian il peut lâcher un petit sub par exemple. Hein. Il est déjà sub. En plus, non, son mois est passé. Mais tiens, faudrait que je redise à Noah qu'elle revienne, qu'elle resub speed using. T'es enculé. Tout pour la tunasse. Tout pour mettre la daronne à l'abri. Hein. C'est non pour me mettre moi à l'abri avant tout. Oh, j'ai pas lu ça. Le centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces pour entrer sur le site et pour manipuler certains équipements. Le pays a soumis un bracelet d'identification. Visiteur, employé, cadre supérieur. Plus électronique. Ok, donc il ouais, y a plusieurs bracelets avec plusieurs grades en gros. Et là j'ai que le grade visiteur, du coup à mon avis je pourrais pas passer. Cette zone est réservée au personnel habilité. Les visiteurs ne sont pas autorisés à... Ok, donc les visiteurs, en gros les visiteurs, hein, si j'ai bien fait le tour, ils peuvent aller à l'accueil, aller ici, et là. Putain, la visite de fou. J'ai oublié un truc. Ah, kit de soins. Ouais, ça fout le seum, ça. Ça fout le seum. Déjà que j'ai pas acheté pour payer un sub, j'économise. À mon avis, j'ai loupé un truc là-dedans, c'est pas possible. Je comprends pas, y'a rien en fait là. Ah, y'a une autre porte avant, j'ai pas vu. Ah oui, là, putain. Oh bordel! Ok, là, à mon avis, ça va sentir le trou du cul, genre. Ah, ok, donc les visiteurs, ils peuvent... Il y a un monstre qui entend les trucs. C'est sûr, il y a un monstre qui entend les trucs. J'ai combien de balles? 4, 17, 6. Ok, donc normalement, ça devrait le faire, je pense. Je vais prendre le truc, là. Là, je peux pas rentrer, là, c'est... Je peux le faire. Je peux le faire. Hop, headshot, voilà. Triple headshot. Ah mais c'est des scientifiques en fait. Ah ouais, les scientifiques, les cons, ils se sont fait avoir par leur propre truc. Où ça? Il est pas mort lui encore. C'est quoi que j'entends en fait là? Oh putain, j'ai loupé une balle. Moiselle. Voilà, et lui aussi du coup. Oh le doute. Je sais pas si ça a servi de faire ça, mais... Oh, oh, le lance-flamme. Non, je peux pas. Hop. Carburant, frère. Recharge. Oh non. En vrai, ça c'est à la fois bien, à la fois nul. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rats, certainement. C'est bon? Non. Oh, bordel, j'avais pas vu lui. Meurs gros. Ouais putain. Je reprends le pompe. Où ça?
Mais frère, mais c'est bon, au bout d'un moment, j'ai pas que ça à foutre. Il est pas mort? J'ai eu peur, le fusil, c'est beau les gars, et... les zombies, maintenant, c'est plus ce que c'était, hein. Avant, tu leur mettais 2-3 balles de pistolet normal, c'était fini. Maintenant, même un coup de fusil à pompe, c'est... ils sont même plus morts, j'ai l'impression. Enfin, plus tous, genre, il faut bien, bien viser, bien, bien. Et j'ai pas compris à quoi sert la crosse du fusil à pompe, hein, toujours, hein. Toujours pas compris. Ah, la scientifique, elle a pas les bracelets. Si, mon gars. Ah non, c'est une grenade. Alors, du coup, j'ai tout pris normalement ici. Non, j'ai pas pris, il reste des balles. Où ça? Mais attends, mais il est toujours pas mort lui? Mais crève gros! Oh, j'ai loupé des balles. Regarde, tu vois les petites balles sur les murs là? C'est pas du joli ça. Pas du joli. Alors du coup, j'ai eu des balles de fusil normal qu'on va recharger. Et ici du coup là, j'ai pas tout pris encore? Bon, y a rien d'autre ici, attends, si je monte. Ça se trouve, c'est relié, en fait. C'est relié sur le même truc. T'as mal à la tête ou au ventre? Un peu, mais comment tu sais ça? Je viens sur les lives. Si tu cambrioles, Noah, t'es riche, elle sub tout le monde, Noah. Pas besoin de sub, juste au talent. Non, ici, il y a... ici, il y a plus de rats, mais économise. Moins de recul, la crosse... Il est pas mort. De quoi, le zombie, il est pas mort encore? Mais frère, ça saoule. Ok, là-dedans, ok, là-dedans, course-poursuite avec Monsieur X, voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, quand même. À un moment, je vais dire ça, il va vraiment arriver, je vais fermer mon trou de balle, ainsi que ma bouche, mais... je pense qu'il va arriver à un moment, on va pas s'y attendre, tu sais. Ok, alors ça, c'est cool, tu vois, mais... oh, c'est cool vite fait, parce qu'on en a qu'un. Okay, on a un couteau. Ouais, là en fait, là c'est la phase où ils nous remettent bien. Mais où on va se faire enculer juste après, tu vas voir. Ok, là j'ai tout pris ici. Je peux aller. Oh putain de merde. Crève gros. Comme ceci. Cool. Ici. Par contre, il commence à y avoir du beau monde là. Recharge le fusil à pompe, bitches. Y'a rien d'autre. Ah. Le bracelet. Ah, du coup, là, je vais... oh non, ta mère, gros. Ah, c'est bon, combiné. Ok, let's go. Alors, du coup, par contre, là, je suis un peu full, hein. Ouais. Faudrait que... y'a pas un... oh, y'avait un coffre, je crois, avant. D'accord, il me faut quoi, là? Puce électronique? Non. Ah, la clé? Non. Lance-flamme, tu sais. On sait jamais. Ben non, genre je vais me faire enculer à sec. Meuf. D'accord, super. Il va y avoir un mec dedans. Oh, c'est quoi ce truc-là? Répuglateur lance-flamme. C'est quoi ce truc-là? C'est peut-être genre, il l'utilise moins, ou il est plus précis peut-être. Il est moins brouillon, ça se trouve, je sais pas. Ah, y a encore un truc. Bah oui, c'est ça, mais ça, tu fais quoi avec? Ils sont bien beaux, eux. Ils sont bien rigolos. Et ils sont rigolos, tu vois. Il est pas mort. Explose son crâne. Jette la pellicule. Ouais, c'est vrai que la pellicule, ouais, je peux l'acheter en vrai. Hop. Ils se foutent de moi. Je peux pas acheter, alors la pellicule je peux pas acheter, par contre, je peux acheter plantes bleues, plantes vertes, donc des trucs utiles. Il est où le mec que j'ai tué? C'est lui? C'est pas lui que j'ai tué, il est parti. Alors attends, il y avait pas un coffre, si si, à la réception, il y avait un coffre à la réception. Je bégaye, hein, à la réception. Ah mais je peux plus y retourner, en fait je suis baisé là. Mais comment je fais? Ah mais je suis repassé par là, bah oui, regarde, hop. Ah non, j'ai le badge, ouais c'est vrai, hop. Ah, par contre tout le sang là, ça m'inquiète un peu. Bah c'était pas, non, je crois que c'était juste les zombies en fait. Oh là, un peu de lumière, voilà. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est.
Ah ok, donc ils nous prennent pour le docteur. Ah oui, ok, d'accord. On va se re-sauvegarder au cas où, voilà. Ici, on va mettre ça. Les balles, on va garder, forcément. Puis après, plante bleue, on peut jeter, je pense, aussi. Enfin, pas jeter, mais conserver, vite fait. Et puis, ça, il nous le faut encore. Bon, voilà. Alors, du coup, on va aller dans cette zone-là. Réflexe intensif. Ici, il va me falloir le truc de visiteur. Juste, j'observe. Ah! Enregistrement des forces spéciales. La cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Rendez-vous au point O3. Bien reçu. Ici Alpha. Nous sommes arrivés à destination plutôt. Compris. Attendez la cible. Ici Alpha. Je vois la cible. Il s'apprête à ouvrir le coffre. Bien reçu. Attendez le signal. Virus G en visuel. On entre. Vous allez nous suivre calmement. C'est-à-dire. Le virus G est dans la zone ouest. Compris. Mais attends, mais l'autre salope du FBI là, l'autre salope. Parce qu'il faut dire son terme, hein. Parce que là, ça commence à me casser les couilles. Elle est du FBI, mais non, non. On laisse aller un vieux officier de police de merde. Y aller à sa place. Je veux bien qu'elle soit blessée. Mais regarde-nous. Nous, on n'est pas bien. On a une épaule en sang. On se touche le ventre parce que je sais pas. Donc là, c'est le grade ultime, je pense. Là, c'est le grade 3. Donc, on a que le grade 2, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? On peut activer... Par contre, hautement technologique, hein. Pas mal du tout, la technologie, ici, hein. Y a rien, ici? Non, y a rien. Okay. Du coup, il nous faut plus... tu live jusqu'à quelle heure? Si tu tryhard, tu finis ce soir. Bah en vrai, pour l'instant, j'en ai pas tout de suite marre, donc... De toute façon, Resident Evil, en vrai, vu que les graphismes, ils sont un peu poussés et tout, à bout d'un moment, ça me fait mal à la tête, tu vois. Je suis habitué au graphisme plus calme, comme Genshin. Et du coup, en fait, c'est un jeu que je pourrais pas jouer, tu vois, pendant 5h, 4h, 5h, 6h et tout, parce qu'au bout d'un moment, ça me ferait trop mal à la tête. On va le sauvegarder, hein. Hop. Nombre de sauvegarde, 27. Tu sais, je crois que je suis le gars qui a le record du monde. Ah bah tiens, le coffre. On va remettre... On n'a pas eu des autres trucs en attendant qu'on pouvait remettre. Non, bon, on va tout garder. Ça, je crois qu'on peut du coup faire hop et hop. Comme ça, on obtient des petites... Oh, 30 balles! Ah ouais, ça met bien cette merde. Y a rien d'autre? Y a rien d'autre. Ah, c'est pas une porte, merde. Je sais, c'est une porte. Je sais, un peu petit la porte quand même. Alors, du coup, c'est par là. Là, il va faire noir. Tout simplement pas passer ici. Ah, alors j'ai comme l'impression que ce mec est mort à cause de la plante. Je pense pas que c'est qu'une impression, ouais. Alors y a rien à cette salle. On peut juste se barrer. Non. Ouais, si ça veut bien. Oh putain, je le sens mal. Fusil à pompe. Oh, comment je le sens mal ici. Comment je le sens mal. Mais vraiment, genre, je le sens très très mal. Il va y avoir un gros boss, un truc du genre qui va nous poursuivre. Ou des plantes... Bouffeuses d'hommes, par exemple. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une musique bizarre comme ça, là? Oh! C'est quoi ce truc là? Ils sont un peu plus résistants que des zombies, j'ai l'impression. What? Il va vite lui aussi! Il est invincible, il est invincible, il est invincible. Il est invincible. Il est invincible. Oh non, j'ai fait la grenade éclairante, j'aurais pas dû. Ouais, peut-être dû en fait, hein, depuis le début. Ah bah nice. Pff, on la récupère directement, ok, rentable. Mais frère, mais... Pas le temps.
Ah mais oui, lance-flamme, bah oui, c'est des plantes. J'ai un de QI. On est passé de 2, on est passé à 1, c'est quoi ça? Pulvérisation de solution en cours. Merde, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. Ben on n'a pas de place, devine quoi frère. Attends, c'est pas grave, regarde. Hop, on va soigner. Comme ça, hop, on a une place de libre. On a trop de trucs, hein. Putain. Oh. On peut la replacer. J'ai pas vraiment envie d'aller là en vrai. Et ouais, du coup, on va s'équiper du lance-flamme maintenant, vu que c'est des arbres plantes. Enfin, c'est des hommes plantes bizarres, chiants et tout. On est là, frère. J'avoue que là, on met un bon coup de lance-flamme dans tout ça, c'est réglé, hein. Bon, bon, on va la laisser là. Alors, le flingue, on va le recharger. Ok. Toi, viens là, frère. Wesh, où ça? Ok, nice. Ah ouais, j'ai l'impression que ça utilise moins. Ils sont morts, là. Ok, nice. Et donc les flammes, c'est vraiment sensible sur eux. Oh putain, le labyrinthe. Alors ici, petite balle. Ok, petit document. Synthèse d'herbicide pour plante 43. Placez une cartouche vide dans le distributeur de solution. Injectez une formule nécessaire du MB21. Donc le symbole P-E. Refroidir immédiatement. Donc on doit placer la cartouche vide, on a injecté le volume nécessaire de du MB21. Mais frère, comment tu vas et refroidir immédiatement? La croissance des plantes 43 est phénoménale. Si jamais un accident venait à se produire, elle pourrait échapper à notre contrôle. Si c'était le cas, fabriquer de l'herbicide avec des instructions ci-dessus pour minimiser les dégâts. Et du coup, on peut pas faire Ah voilà, putain, je suis bizarre. Ouais, okay. Oh, ouais, c'est quoi ce truc-là? C'est un mec? Il est énorme. Il fait peur, hein. Oh. Grenada. Oh. Ah, je peux combiner. Ah oui, je peux stack les grenades, ça, c'est bien. J'ai pas tout pris ici encore. Il reste... Ah, on a le début du code. Donc le code, c'est les petits trucs avec un 1. Attends, c'est... C'est le début du code, on est d'accord. Hein. C'est le début du code qu'il y avait... Ou alors c'est carrément le code final. Ah, il y a des cartouches, là. Ah oui, c'est un gros truc, en plus, pour faire des balles, c'est chiant de le gâcher. Bah, on va pas le prendre, on va le garder, comme ça nous fera un petit truc. Et du coup... je crois qu'on a fait le tour. Du coup, on a le début du code, ici. Donc c'est les deux, enfin bref, j'ai compris. Alors ensuite ici du coup, ils sont toujours morts, hein, ouais, c'est bon, ils reprennent pas vie. J'ai pas l'impression qu'ils reprennent vie. Ouais. Alors on a quoi ici? Alors on a un autre code, donc le même au début, le même à la fin, le 2 et les petits carrés au milieu. Bah on va le faire tout de suite, hein, au pire. Hein. Ça, on s'en souviendra. Ah, par contre, ici, il y a une ambiance de merde, un peu. Une ambiance un peu... C'est ça pour mettre le code, on est d'accord. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, du coup, c'est ça. J'avais un code où c'était ça et ça en premier. Et bon, après, je sais pas trop c'était quoi, tu vois. Ben, voilà. Alors, ensuite, il y avait celui-là en premier, ensuite celui-là, celui-là et celui-là. Et Enter. Donc, ça vient d'ouvrir l'accès à l'échelle. Alors, je vais pas y aller tout de suite. Ce sera si jamais on se fait enculer. Ok, bon, là, on peut pas passer. Super, j'ai pris le seul endroit où on ne peut pas passer. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ah, à part un mec qui tombe, ok. Voilà, il est foutu. Hein. Il va crever. Il se débat, ça veut dire qu'il va crever.
Et du coup, on peut aller comme ça par ici. En vrai, ces trucs-là avec le lance-flamme... En vrai, heureusement que le lance-flamme existe, hein, parce que... Putain, comment ce serait chiant. Alors, plante bleue qu'on ne peut pas prendre. On est trop fou. Il y a trop de trucs, hein. C'est incroyable comment il y a trop de trucs. Bon, ici, on peut pas. Bon, allez, on va aller prendre l'échelle. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, échelle qui descend vers le bas, hein. Ada Wong, pareil, elle fait quoi? À mon avis, Ada Wong, elle va nous sauver à un moment, on s'y attendait pas, on va l'embrasser, on va être en mode, ouais, on est le meilleur couple, on est le couple goal. Oh putain, ici, ça pue la merde. Oh! Ouais, Super. Oh putain, ça me saoule, on aurait dû jeter un couteau en vrai. Hein. De toute façon, pour le peu qu'on va s'en servir, bon, je vais les garder parce que voilà. Mais en vrai, pff, les couteaux, on s'en bat les couilles. Hein. Mais à un moment, on va retourner au commissariat de Raccoon City ou pas? La plante, elle a du sang? Non, c'est juste... J'ai pas compris, en fait. C'est la plante qui a fait du sang ou c'est... Ah, super, plus de batterie. On dirait un iPhone, le truc. Ici. Combiné. Ah mais il a plus de balles le fusil, attends, on recharge. C'est quoi ce truc là? Mais c'est marrant quand on a plus de place, enculé. Ils sont beaux eux. Super, on a un trophée qui doit être en plus ultra important. Murph. Je dois faire quoi en fait avec ça? Je comprends pas. Je dois cliquer. Je sais pas hein. Bon, du coup, je me casse. Hein. Quand on sait pas, on se casse, généralement. Alors. Pas de mentir, ça commence un peu à me saouler de, genre, pas avoir de place. Parce que c'est bien de nous régaler, hein. C'est bien. Oh, mais... Waouh, pourquoi ça lag? Pourquoi ça a lagué d'un coup, là? Oh là là, mais pardon. Attends, je vais prendre le fusil, là. Ah, putain, mais quoi? Mais gros, mais... Mais ils sont deux! Mais il y en a deux! Pardon, mais lol, mais... Eh, le jeu, il m'énerve. Le jeu, il m'énerve. En fait, le jeu, c'est tout ou rien. Il m'énerve, le jeu. Il m'énerve, vraiment. C'est... Donc là, là, si je dois bien, si je dois faire le calcul, voilà. Je dois me faire deux monstres ultra forts plus... 20 zombies derrière moi, donc c'est intéressant. Je m'en bats les couilles, gros. Pas d'aide à la visée. Mais frère, aide à la visée, ça me servira à quoi, gros? Ça me servira à quoi? Ah, nice, on reprend là. Super, super en plus. On reprend hyper près, en plus, et c'est génial. Alors, on va acheter plein de trucs, hein, par contre. Hein. C'est bon, tiens, les couteaux. Hop, on va en déposer au moins un. Ça, on va le déposer aussi. Et puis après, tout le reste, on garde, parce que c'est important. Mais vraiment, on va essayer de faire... on va essayer de jeter un maximum de trucs. Là, on va se faire des balles plutôt de manière aisée. Voilà. Hop, là, on se recharge le fusil. Là, on n'a plus rien à prendre. On se barre. Ah, c'est pas par là qu'il fallait passer. C'était ici. Là, on va voir le mec plante découpé. On passe, on s'en prend de lui. Là, ouais, il faut attendre. Là, on s'équipe du lance-flamme parce qu'il va y avoir le petit fils de pute qui va être pendu. Je crois qu'il y a rien à prendre ici. S'il y a ça, ben on le prend. Voilà, normalement il est mort, je crois. Voilà. Nickel. Ensuite, là, on prend ça. On stack. Après. Ici, il y a quoi d'autre à prendre? Il y a ça à prendre. Bon, hein, j'ai compris. Ils disent que tu saves pas viser. Non, ils disent que tu sais pas viser. Et ta grand-mère, elle sait viser, pourquoi pas? Jeu de merde. Alors, on va directement refaire le code, hein, vu qu'on le connaît. Et on le connaît, enfin, pas trop, parce que je viens de me foirer. Non, ça change les codes.
les codes changent. Cool. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant et intéressant. Alors. Oh oui, tiens, hop. Non, non, mais je m'en fous. Voilà. Comme ça, on va... On a pas mal de trucs. Ouais, enfin, j'ai vu le reste, on peut pas faire grand-chose. Voilà, il est mort normalement, lui. Et lui aussi. Ils sont faciles à battre. Ah, c'est le 2 avant, ok, d'accord. Ok, j'étais persuadé que c'était les petits trucs avant, mais en fait, non, c'est le 2 avant. Hop. Et du coup, après, le reste, je crois pas qu'il y avait d'autres choses à faire. Hein. Alors, du coup, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Bon, après, s'ils me disent mode facile, j'active, hein, parce que c'est bon, ça va me saouler, sinon. Alors, là, il y avait une poudre noire, je crois. Ouais. On va se faire des petites balles de pompe. On va combiner. Voilà. Ça nous fait deux espaces de libre, ok. Là, j'ai l'impression qu'on gère un peu mieux l'espace. Oh, putain. Alors, ensuite, là, du coup, on avait le début du code là. Qui était le petit truc et le 1, c'est vrai, donc ça n'a pas changé. Là, on a les documents qu'on va lire vite fait, mais voilà, vite fait, hein, juste pour dire qu'on les a lus. Alors, après... Attends, merci, je regarde si... Ah, il nous reste des trucs à prendre ici? Ou alors c'est... Ou alors c'est relié à ça. Bah ça, en fait, j'ai tout pris aussi. Je comprends pas ce qu'on n'a pas pris, en fait, là-dedans. Je ne comprends pas. Ah bah oui, bah si, il faut qu'on active ça. Et ça, ils sont bien rigolos. Ils sont bien rigolos. Mais on a que le début du code, en fait. Hein. Ah bah oui, il est vraiment cramé de chez cramé. Par contre, lui, je pense qu'il peut se ressusciter un moment. Alors... On arrive au fameux endroit de merde. Alors, c'est vrai qu'on a une poudre noire, je crois, là-bas. Ouais. On a la carte, ouais, mais on a une poudre noire qu'on peut pas utiliser, mais qu'on va prendre tout de même. Après, là, il n'y a pas grand... Ah, c'est l'échelle. Alors, du coup, je vais visionner le trophée. Hein. Faut que je lise ce qu'il y a marqué en dessous du trophée, du coup, tu dis. Combiné. Ah ouais, là, j'ai pas mal de balles de pompe. Hein. Je pourrais peut-être faire le mob. Hein. Alors. Oh, c'est le code! Donc, petit truc 1. Ok, d'accord. Alors, je vais me barrer. Non, nique ta mère, c'est quoi ça? Oula. Con quoi, Léon? Ah. Alors. Hop, on grimpe. Alors oui, tiens, on va parler un peu de... Genre, c'est trop drôle comment, tu sais, ils se connaissent depuis une heure à Ada et Léon et genre, ils se galochent. Ça se voit que c'est la fin du monde, hein. T'as vite envie de... niquer. Je crois que l'autre, il s'est relevé, donc on va vite se barrer, genre. Alors. Donc, c'est... C'est ça. Ça. Ça et ça. Il me semble. C'est ça. Et du coup, ça ouvre la cage avec les échantillons de... d'herbicide. Il me semble. Ah, il s'est pas relevé, en fait. C'est juste l'ambiance qu'il y a là-dedans. Ça, à chaque fois, je crois qu'il y a un combat ou quoi. Mais... Alors, du coup. Ok, c'est bien beau. Super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut jeter le trophée. Eh bien, on le jette. Non, hop. Voilà. Ensuite, alors du coup, il faut mettre le truc vide. Voilà. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche.
Ouais, attends, frère, c'est... Waouh. Attends, je me souviens plus. Donc, il faut activer, il faut mettre une formule GH moins je sais pas combien, là. Merde. Je peux faire ça? Ouais, je go, c'est compliqué, hein. Les Français. Among Us, le truc. Ah ouais, mais il y a des énigmes à faire, carrément, j'ai pas compris, hein. Il n'y en a pas assez. Là, je vais pas vous mentir que je fais complètement aléatoirement. Ouais, mais là, je vais en mettre trop, là, je crois. C'est cool. C'est pas parce que, tu sais, ils mettent le mode manuel, mais tu peux pas mettre le mode automatique, connard. Par exemple, hein, ce serait cool. Alors du coup, ah mais c'est bon en fait, c'est bon, on a win. Regarde, on fait ça, ça, non. Attends. Là on verse ça là-dedans. Ensuite là on fait ça, celui-là on le met là-bas. Là on verse ça là-dedans et c'est gagné. Alors, je l'ai peut-être versé dans le mauvais truc. Ah, bah non, regarde, hop. Et là, hop là, c'est gagné. Hop là, mon gars. Donc là, on verse le truc et il faut refroidir immédiatement après. Hein, on dit. Hein. Ok, super, ça se verse, ok. Il faut refroidir, non? D'accord. Ça, c'est pas pour refroidir ça, non? Ils ont dit refroidir immédiatement, c'est cool, ils nous donnent une recette et tu la respectes pas, bah c'est pas grave, on s'en branle. C'est quoi cette merde? C'est le seul jeu où tu respectes pas la recette, et bah c'est pas grave. C'est pas grave. Mais lol, et du coup là... Et là je peux mettre le truc dedans en fait là. Là c'est bon, je mets ça dedans. Cartouche à répondre à diverses solutions. Là, c'est une solution. Et bien, on peut... Je pense... qu'on peut faire ça. Non. Erreur. Température de la solution en dehors des limites acceptées. Je le savais. Il faut refroidir, mais comment tu fais pour refroidir? Attends, il y a toujours de la solution dedans, hein? Oui. Et du coup, où est-ce que tu refroidis cette merde? Souffle dessus, mais lol, mais gros, tu vas pas me dire que c'est ça. Non, c'est pas ça, il se fout de ma gueule. Tu refroidis où, frère? Y'a même pas de frigo ni rien. C'est quoi cette... C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Ah! Pas un truc pour refroidir là-dedans? Attends, y'a pas un truc réfrigérateur que j'aurais raté par hasard? Par tout hasard? Bah non, c'est sûr que le truc pour le refroidir, il est, tu sais, à l'étage en dessous, tu sais. Tu sais, à l'endroit où y'a tous les mecs... Bah oui, oui c'est dur. Et putain. Donc là en gros je vais devoir me taper les gros fils de pute qui est en bas. Ok, alors j'ai quoi à équiper? Non mais on peut pas équiper autre chose là. J'ai équipé les grenades. Voilà, hop. Je te le dis, moi je vais aller en bas. Coup de grenade dans les fils de pute qui t'entendent mal. Ensuite coup de fusil à pompe dans les autres connards qui... Enfin voilà, t'as capté, j'ai une technique. J'ai une technique... Salle froide. Labo de test basse température. C'est cool. C'est cool que ce soit à cet endroit-là et tout. C'est vraiment cool. Alors. Donc là, il va y avoir un vieux mob de merde. Hein. Oh.
Ah merde, ah ouais, l'autre il est au-dessus, c'est cool. Il est où, il est où? Ah! Vite, vite, vite. Grenada! Crève. Regarde, hop! T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt? Hop! On prend le petit gun, bim! Et voilà, gros! Il est mort! Et c'est bon. Oh, j'ai loupé, j'ai utilisé une balle, c'est un sacrilège. Et du coup, là-bas, il y a les petits fils de pute qui se sont ramenés. Ok, bah easy en fait. Deux grenades, voilà. Simple, rapide, efficace. Super raté. Et voilà. Ok, EZ. EZ. On a tout pris ici. Hein. On n'avait pas laissé un truc par hasard. On n'avait pas laissé genre une plante verte juste ici. Et on va l'utiliser pour se soigner. Alors quoi? C'est moi ou j'ai utilisé une plante verte pour dader là? Attendez, je crois que je me suis fait enculer, attends. Je crois que je me suis fait enculer, j'ai utilisé une plante verte, ça m'a même pas donné un état. C'est nul! Pas l'air d'avoir grand chose. Attendez, vous savez quoi, tiens? J'ai faim. Oui, c'est peut-être. J'ai faim. Merde, attendez, hop. J'ai un peu faim. Et du coup, je vais me faire un sandwich. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah, du coup, moi, je vais me faire un sandwich. Enfin, tu sais quoi, je vais me faire juste réchauffer un hamburger au pire. Donc, je reviens dans une minute, on va dire. En attendant, faites caca, je sais pas. Balancez des emotes. Et n'oubliez pas de vous brosser les dents régulièrement. Mais c'est pas fini, hein. Attendez, je vais juste mettre comme ça, vous pouvez voir, je sais pas, par exemple. Alors, c'est où le... Hein? Attends, je peux pas prendre ça et faire... Non. Il est où le chat, en fait? Event, micro, réseau... Ah, chat! En chat, on fait CTRL-C et on va le CTRL-V dans la scène pause.
bande de chiens. Je déconne. Sinon, hop, on est de retour. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va continuer, bande de salauds. Hein? On va s'y mettre. J'ai le petit Hamburgers juste à côté de moi. Oui, ça se dit Hamburgers. Hein. Ça se dit pas Hamburger, comme dire les connards d'entre vous. Ça se dit Hamburgers. Et du coup, voilà. Je mange le petit... Vous savez, c'est quoi la différence entre hamburger et burger? Moi non plus. Du coup, moi, je mangeais un hamburger parce que c'est moi qui décide. Hamburger, je crois que c'est parce que... Je crois que c'est quand il n'y a pas de légumes dedans, je crois. Non, en gros, c'est un truc comme ça. Ah non, c'est l'inverse. Hamburger, c'est quand il y a des légumes. Alors, salade, tomate, oignon. Alors, du coup, on va recommencer. On va couper la musique de merde. Et on est reparti. Ah oui, j'ai oublié d'afficher. C'est un truc de base, hop. Et voilà. Hop, tu peux repasser le chat en émoticône annulé, hein, Magic Epo. Hop. Alors, j'étais où, là? Ah! J'entends un bruit rassurant. C'est que j'entends un bruit rassurant. Oh, bordel! Ok. Comment il s'est écroulé sur les marches, ah ouais. Zéro respect, hein, vraiment. Ouais, c'est juste des escaliers, je pense. Oh! Oh, fils de... Oh, ils ont bien joué. Oh, bien joué à eux. Oh! Oh, c'était sale, ça. Et quand je dis sale, ça, je parle pas de... Bref. Alors, petite balle, là, il croit que je les ai pas vues. Ah non, c'est pas des balles. Non, c'est une brique de lait nulle. Ah, par contre, ça, c'est... Où ça? Viens là, mon grand. Balle dans le cul. Quoi? Mais ils sont nuls, ces zombies, frère. Je les one-shot. Ou alors, je suis trop bien visé. Je retourne à viser et puis le jeu il est en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce proviseur? Hop, on combine, il nous fait des balles de pompe qu'on va combiner. On recharge le fusil à pompe qui a trop de balles là. Bien évidemment, encore des balles parce que oui, on en a pas assez, toujours plus. Là, c'est quoi? Note anonyme. Ils se sont tous transformés en des sortes de plantes. Ils reviennent sans cesse, encore et encore. Brûlez-les, brûlez-les jusqu'à ce que leur corps soit carbonisé. C'est la seule solution. Donc, flamme oblige. Ici. Modulateur de signal. Ah, bah c'est ça qu'il faut en fait. Pour les autres trucs. Bah du coup, maintenant on sait. La brique de lait qu'on ne peut pas prendre. Donc là, on n'a plus rien à prendre, donc on peut se barrer. Donc là, c'est fermé, j'imagine. Ah, on peut. Open. Totalement. On arme parce qu'il y a des hommes plantes. Ok, il n'y a personne. On peut sauvegarder. C'est d'ailleurs ce qu'on va procéder immédiatement. Alors on est plutôt bien. Là j'ai remarqué on était bien. C'est pas une poésie. Calme-toi. Oui, j'avoue que... Là, tu vois, je me suis un peu emporté. Je me suis dit, ah, je suis Madame Boulanger, peut-être. Il faut que je le fasse avec un peu d'orate, enfin un peu de talent. Oh, comment il va, lui? Dégage là. Et voilà. Ouh, bordel! Il est mort là. Voilà. Hop. Là, il y a peut-être un deuxième, non? Ouais. Ok. Alors, ici, il n'y a plus d'autres zones à débloquer. Donc là, il faut vraiment que j'aille. Faut que j'aille où? Attends, c'est quoi là l'objectif? Je vois pas l'objectif. Attends, je dois faire quoi déjà? Madame Boulanger, dame pas sympa. Dame ultra sympa. Ah bah voilà! Connard! Elle m'a fait peur. Ah oui, bah oui, je dois aller à des zones comme ça. Alors, zone comme ça, il y en a où? En bas? Ou ici, peut-être?
Ah ouais, il y en a ces salles de sieste, il faut que j'aille. Et là, il y a rien. Ah si. Et ouais, bon, je vais aller à la salle de sieste, mais j'en ai vu deux normalement. Bon, du coup, je repars. Hein. Alors, elle est où la sortie déjà? Elle est là où je vais en fait. Et ben, j'y vais de ce pas. Alors, est-ce qu'il y a des autres hommes plantes là? Non, c'est bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui soient revenus. Bah, tant mieux, on se casse. Alors. C'est qui Madame Boulanguier, prof de français? Ouais, voilà, c'est ça. Ici. On doit améliorer la carte, mais la carte. Je suis la carte. Moi, elle s'appelle Sévine ou Sévin. Et c'est une. Ouais, calme-toi par contre sur les termes, gros, sinon tu prends ton bas de nef. Oui, c'était en haut, ouais, c'était par là. Et du coup, c'est la salle de. Ah, ils m'ont fait peur, j'ai cru que... Par contre, Léon, ouais, Léon, il faut qu'il améliore son cardio et sa course, hein, parce que je veux bien... Ouais, parce que là, c'est un peu long, Léon. Hein. Imagine si je marcherais comme ça tout le temps. Ce serait un peu long. Alors... Du coup, là, je vais à la réception à droite, ici. Là, il fait tout noir, il va y avoir Némésis. Parce que oui, en fait, Némésis est dans ce jeu, en fait, c'est un easter egg que vous ne savez pas encore. Alors vu qu'on va tout droit, là on va encore tout droit il me semble, ouais. Et là, petit panneau électrique dont on a besoin, on met ça, on utilise et c'est réglé. Sérieux là? Ok. Tu veux peut-être... Je peux peut-être examiner et modifier des trucs? Ah ouais, je peux. Alors là, c'est sur OSS. Comment je fais pour modifier? Ah ouais, ils sont bien beaux, eux. Ah, ok. J'aime bien la petite musique. Comment les Daft Punk ont créé leurs musiques les plus connues, mon gars? Et comment tu fais pour ce... Ok, donc là c'est comme ça. Mais bon, mais c'est aléatoire là ce qu'on fait ou... Ah ok, j'y étais presque. Oh, let's go! Là, c'est bon, là! Je crois que c'est ok. Ah, mais non, mais ça doit être en muf, en fait. Là, comment on fait pour mettre en muf, déjà, juste? Changer. Ah, ok, ah, ok. Donc, on doit se mettre en muf, et là, on doit trouver le bon truc. Ok, donc là c'est bon. Là on fait ça. Là on prend, on utilise. Et là normalement c'est ok. C'est ok, ok. Waouh, ok, d'accord. Ok, bon, excuse-moi, j'étais là concentré. Ah bah super, comment il va lui? Ouais, c'est bien ce que je pensais, il a encore envie. Ça va, tu veux encore. Non, c'est bon. Alors, oh oui! Oh, on en avait tellement besoin. Ah, c'est tout? Non. Attends, c'est tout là? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Mais je comprends pas du coup, il y a quoi d'autre à faire en fait? Peut-être ici du coup? Je pense... Je pense que ça doit être forcément ça. Du coup on y va, hein, c'est parti. Ah du coup il y a de la lumière ici, déjà rassurant. Ah, what the fuck?
doucement, mec. Il y avait un deuxième. Bah oui, c'est pour ça. Mais il est pas là, en fait. Je crois qu'il est vraiment là où je vais, c'est-à-dire devant la porte verrouillée nulle. On va du coup ouvrir, vu que... On n'a pas le jeu, en fait. East Area. Par contre, c'est quoi le délire de faire des trucs comme ça, ultra profond, là? Je vois pas le délire. Alors, ok. Donc, du coup... Je pense que, bah, du coup, on va aller en bas. Il n'y a pas un escalier, là? Ouais, il y a un escalier pour y aller direct, c'est bien ce que je pensais. Pas de zombies, pas d'hommes plantes, pas de fils de pute. Ok, je recharge. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai un réflexe. Parce qu'en gros, avant j'avais un running gag qui consistait à chaque fois à dire dans un jeu quand je rechargeais, je recharge. Parce que tu vois, genre dans Apex, la VF, quand ils font « je recharge » comme ça, ça me faisait rire en fait. Alors qu'il n'y a rien de drôle, mais ça me faisait rire. Dans Apex, dans, je sais plus, même dans Overwatch, ils disent, je crois. Et du coup, ça me faisait rire, et du coup, maintenant, j'ai eu un tic, et je dis tout le temps « oh putain, monsieur, monsieur, monsieur !» Voilà, et là, je recharge encore. Alors là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est le Murph. Examiner. On se met en Murph. Oh putain, compliqué. Non, pas tant compliqué que ça en fait, regarde. Hop là, tu fais ça. Voilà. D'accord. Ben c'est réglé. Hop, on met le Murph. Non, non. Voilà. Hop les. Murph validé. Moi je dis prochain Resident Evil de 6. On les fait pas dans l'ordre? Je comprends pas en fait votre principe. Enfin, votre analyse. Pas mort lui encore! Et frère, crève genre. Crève de manière circoncis. Voilà. Bah non, le 3 ou le 4. Ah ouais, donc personne n'est d'accord quoi, c'est abusé. J'ai rechargé hein. Ouais. Et du coup ça a débloqué quoi en fait cette merde? J'ai pas compris. Peut-être la porte. Ouais, je suis con, voilà, c'est un de le... Ok. Alors, labo basse température. Alors du coup, j'imagine que là-dedans, il va y avoir des petits connards, genre Monsieur X, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tout de même. Ouais, ok. Ok, d'accord. Oh. Bienvenue, Dr. Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Bienvenue à moi, je suis Dr. Lee à partir de maintenant. Boîte de réception de Dr. Lee. Qu'est-ce qu'il fout? T'as vu la dernière? Certains abrutis, faut que calme sa joie ce connard. C'est lui le patron, ouais. Nanan. En plus, on peut être en coop, ouais. En gros, tu veux juste jouer avec moi à Resident Evil, Expeditor, machin, ouais. Notre app, il y a des morts, hein. C'est la zone. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit très important pour l'histoire. Enfin, si, enfin, pour l'histoire, si, mais pas pour le gameplay. C'est juste de l'histoire. J'ai un peu la flemme de lire. Qui a laissé le congélo ouvert? C'est pas drôle, Léon. Ah, tiens. Alors là, parce qu'ils ont bien dit refroidir immédiatement. Ça fait un peu... Ça fait pas immédiat. On n'a pas la même def de... d'immédiatement. Ok, petite machine Jurassic Park. Ouais. Rapide. Oh bah c'est rapide frère hein.
refroidissement terminé. Toujours des trucs à prendre là-dedans. Là, on peut se barrer. Alors. Là, il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc. Parce que là, on est sur le point de faire un truc de... Tu vois, un truc pas mal. Et à mon avis, il va se passer un truc. Et là, on ouvre la porte, il y a Monsieur X derrière. Ah. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah oui, ok, je suis là, d'accord. Ah oui, c'est vrai que du coup, ici, c'est ouvert vu qu'on a rechargé le courant. Oh, c'est stylé ici, salle des serveurs. Oh, on a encore un knife, mes frères, c'est chiant à force. Un knife, d'ailleurs, on dit un knife, hein. Je suis con. Là. Ah, ça va être bien, on va pouvoir reposer un peu les trucs. On repose le couteau. On a trop de couteaux. Hein. Ben ça, on repose pas si on en a besoin. Ça. Ouais, on a après le reste. Après, le reste, je préfère pas acheter si on en a besoin. Ah, essence pour le machin. Recharge, recharge. Ok, là. Ok, bah tiens, hop. On combine. Balle de pompe, on combine. Ah, par contre, j'ai pas mal de balles de pompe, hein. Donc là, si jamais il y a un mob qui, genre, casse les couilles, on sait quoi faire. Alors du coup, là, on a l'échantillon, donc on va le mettre... Oui, il fait noir ici. Ah non, c'est bon, il y a des lumières. Ok, bon. Alors, j'ai tué aucune réaction. Alors, hop, hop. Et là, c'est ok. Là, c'est ok. Pulvérisation. Pulvérisation de solution en cours. Ah, de solution, pardon. Oh, ça crame, ça crame. Non. C'est quoi ce truc-là? Hein? Ça a marché. Quoi? Alerte. Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. C'est ta grand-mère, elle a une autorisation elle aussi, je crois. Je crois pas. Enregistré. Et vous pouvez faire l'objet de mesures disciplinaires. Vos actions étaient enregistrées par mesures de sécurité. Frère, c'est bon, j'ai pas tué quelqu'un. Je pense que j'ai sauvé. Ah, c'est lui qui avait le truc. Hop. Ok, on a la puce électronique, on combine. Et voilà, du coup on a le passe 3. On peut se barrer d'ici. Oh non, oh non le... Oh. Merde. Encore lui. Je le savais. Monsieur X enfin, toi et moi à force. On se connaît. Voilà. Un peu comme des âmes sœurs, monsieur X, hein. Oh putain, je me casse. Je vais pas l'agresser, je vais pas... Petite grenade. Oh cool. Hop. Je passe à côté, tout va bien. En fait, monsieur X et moi, suivant, on est un peu comme des âmes sœurs. On sait pas se quitter. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille là-bas. Par contre, il est un peu chiant. Tu vois, monsieur X, je l'aime bien, mais il est un peu chiant. Tu crois il fait plus de 20 km pour toi. J'avoue qu'il est plutôt sympa, monsieur X. Hein. Je pense qu'il a un truc pour Léon. Je sais pas pourquoi Léon fait autant chavirer les cœurs. Moi, je le trouve mid-tier. Hein. Il est pas non plus trop BG. Il est pas moche, hein, c'est sûr. Il est pas mal, mais bon. Il y a beaucoup mieux. Bon, après, en invasion de zombies, tu prends ce qui passe, hein. T'es reculé. Alors hop.
On va utiliser le gun parce que là, je pense pas qu'il y ait des plantes. Oh pff, attends, je viens de rater quoi là? Je viens de rater grenades. Qu'on peut plus stack parce que j'en ai plus et... Et cassette vidéo du labo, on s'en branle a priori. Il est encore là, Mr. X. Où il a décidé de tirer sa révérence. Y'a pas un truc pour sauvegarder. Y'a le coffre, mais y'a pas le truc pour sauvegarder. Bon, bah tant pis. Alors j'ai plus de couteau, donc pourquoi pas en prendre un. Juste pour être sûr. Plante bleue, on va prendre, on va synthétiser. On peut pas serrer. Bon, alors on la jette. Non, hop, la jette. Et tout le reste après, eh bien on garde. Alors je pense que Monsieur X, hein, parce que c'est même pas. Ah oui, oh, ok, ça j'aime bien ça. Alors c'est OSS, référence au célèbre film français, je pense pas, je pense que c'est juste des lettres au pif. Alors, donc OSS, c'est ici, et là en fait. Comme ceci, non. Oh putain. En fait c'est un peu dur, c'est juste que j'avais fait aléatoire pendant tout le long en fait. Et là je crois que c'est bon là, si je fais ça. Non, c'est encore moins bon qu'avant en fait. C'est bon, ok. Alors, hop. Pourquoi, je sais pas pourquoi j'avais ma main comme ça, comme un con. Alors, hop, on utilise. Ça fonctionne. C'est validé. Je sais pas trop ce que ça a fait, en revanche. Ah oui, oh, en fait, ça c'est juste pour mettre l'électricité, en fait. Alors, j'ai pas tout fouillé, mais en vrai, est-ce que j'ai le temps? Parce que Monsieur X est toujours dans les parages, hein, je crois. Mais bon, en soi, Monsieur X et moi, on se connaît assez bien. Je pense qu'il tolérera. Hein, il tolérera que je fouille un peu. Alors, du coup, ici. Ici, il y a des tenues pour aller dans les backrooms, apparemment. Ah! Alors, j'ai oublié les trucs en face, mais en vrai, vas-y, on s'en branle. Donc là c'est un truc, ouais, c'est un truc pour se faire, ouais, d'accord. Ok, stylé. Oh putain, Monsieur X, j'espère qu'il est pas là. Hein. Ouais, il faut qu'il traverse tout ça quand même, hein. Monsieur X, t'as de la motivation en vrai, hein, si tu fais ça. Oh, je sais pas, ici je le sens mal. Il va pop derrière moi un truc comme ça, c'est sûr. Je le sens mal en vrai. Ouh. C'est quoi tous ces trucs là? Petit labo d'expérience. Plutôt cosy, plutôt sympa, plutôt pépouze. Oh, petite cinématique. C'était facile. C'était facile, qui dit? Il est temps d'aller retrouver Ada. Non. Monsieur X, en face. J'ai pas vu ce qu'il y avait là. Bon, on s'en branle. Attention! Mais quoi? Mais gros, mais c'est bon! Encore toi. Non! Il est à moi! Il faut en finir. Je veux savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Ok, ça, à mon avis, c'est son mari. Il est en train de lui injecter le sérum pour qu'il crève, gros. C'est son mari, c'est sûr. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? C'est mon mari. Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise.
depuis le début. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ok, donc William, à mon avis, il a dû se faire éliminer ou quoi, et il s'est dit je vais utiliser le sérum, comme ça je vais être plus fort pour me venger. Je sais pas. Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on a voulu. Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Ah, bah la meuf, c'est fini. Elle est pas morte. Comme on se prend un coup. Oh là là, mais ça y est, le boss final du jeu. Merde. Le pas me donner le flingue là avec l'acide dedans. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait? Mais frère, mais elle nous fait tomber. On peut pas le laisser s'échapper. Ouais, du coup, on se fait enculer aussi. Ah ouais, Léon, ah ouais, c'est un fou. Oh putain, la musique, ok. Voilà, musique. Ok, c'est dans l'œil, ok. What the fuck, il me fait aussi mal. Tab. Ok. Tout va bien, comme ça, je peux vous raconter. Oh, tout va bien. On prend le pont, on le bute. Ok, j'ai l'impression qu'il voit mal par contre. What? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais va te faire enculer, gros. Mais c'est impossible à esquiver. Mais pardon. Ok, ouais, c'est les yeux. Ok, les yeux, il faut viser les yeux. Ok. Merde, putain, j'en ai raté un. Il faut qu'il soit dos en même temps là pour celui-là. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, mais oui! Le lance-flammes. Attention. Oh, ouais, il y a un œil derrière là. Non, mais il est hyper dur à voir celui-là. Comment je fais? Il faut qu'il soit de dos. Ok, let's go. Ok, faut que je le fasse quand il est en train de soulever. Quoi? Non. Mais gros, mais pardon, mais quoi? Et frère, à un moment, faites un jeu possible. Ça serait cool. C'est pas cool parce que là. Oh putain, ouais, ok, il se protège de son œil. Ah, c'est fini pour moi. Oh, oui. Et putain. Allez, recharge. Quand tu peux le faire. Tu peux le faire, mon gars, t'es Léon, t'es fils de Kennedy. Sans mauvais jeu de mots. Il va me tuer là, il va me tuer. C'est fini pour moi. Oh. Allez, hop là, c'est fini. Hop là, grosse merde. Ah, il faut que je finisse le travail. Non, ça re-rentre. Oh putain, hop. Oh. Et je recharge. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il recache ses yeux. Il va en faire pop. Oh putain. Ok, let's go. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Okay. Ah putain. Ok, c'est bon. Hop là. Hop, premier œil. Oh putain, là je suis mort. Si. Oh, peut-être pas en fait. Ah, mais si. Ok, putain. Ok, je vois le principe. S'il te plaît, tu me refais pas recommencer tout, tu me remets au boss direct, enculé. Il va pas me remettre au boss. Ça, je peux jeter. D'accord, bon, déjà, il fallait le prévenir, ça. Et, ah oui, ok, ça me fait pas reprendre non plus trop loin. Ok, ça me fait reprendre à l'endroit où... D'accord, je vois. Alors je regarde juste ce que j'ai sur moi, j'ai ça. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ça au début. Bah en fait, j'ai utilisé le pompe pour les yeux et pour le truc du milieu, j'utiliserai le fusil principal. Ok, après sinon niveau balle, je suis pas mal. Lis les messages. Quand il porte un truc, tu lui tires dessus. Tire dans l'œil derrière. Ok. Ah du coup, ouais, c'est vrai que oui, ça paraît... Boss final. William Birkin. Là tu te mets quoi? Là tu mets une outre. Ça passe. Dans son œil derrière, Magnum.
lis les messages. Et je lui... Ma stratégie, elle est bonne ou pas, Loni? Et là, tu mets une outro, ça passe. Comment ça, là, tu mets une outro? Alors, attends. Est-ce que j'ai un truc pour me soigner? Ah oui, j'ai ça, ouais, ça, j'ai juste un soin bien. Bon, là, ouais, du coup. Est-ce qu'on va se retaper toute la cinématique? On peut pas passer? On peut pas passer, genre. Voilà. Ah! Okay, hop. Donc là, il va falloir attendre qu'il porte un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Esquive! Ok, il est un peu nul, j'avoue. Je recharge. Ok, là, il va porter un truc, non? Il porte pas? Ouais, il faudrait que tu portes un truc, genre ça nous arrangerait tous. Et qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas ce qu'il fait en fait là. Vas-y, porte un truc là. Mais frère, mais porte un truc! Mais gros, c'est devenu un dino le mec! Ah! On recharge. Pas grave. Ça arrive parfois de temps en temps. Oh, il porte un truc là, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va porter. Hop. Okay, let's go. Là, on prend le magnum. Non, pas le lance-flamme, le magnum, connard. Il est où là? C'est où? Ok. Là, flashbangs, ok. On va récolter un peu les trucs. Oh, ok, balle de magnums, ok. On recharge. Là, barre-toi Léon, barre-toi. Et aussi, il toi. Je suis trop con. Attends, shift tab par contre, hop. Et je me heal également. J'ai un QI ou quoi? Le pompe. Je recharge. Oula, ouais, il est plus agressif là, ouais. Je vais me prendre le coup. Ah, mais oui, gros, je me prends le coup. Oh là là, bah c'est foutu, gros. Il fait beaucoup trop mal. J'ai plus de balles en plus, là, c'est fini. Oh. Fuis, on fuit. Qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas ce qu'il fait là. Il est un peu. Il a pas été smart sur le coup. Ok, là. Là, l'œil qu'il y a sur le côté. Cours. Ça va mieux pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va foncer sur moi là. Ah oui. Là, c'est rien que tu montes ta jambe là comme ceci. Ah, c'est impossible. Bah oui, il y a du soin, mais comme par hasard, les trucs que je crois, c'est pas du soin, gros. Comme par hasard, tout ce que je vois dans la pièce, c'est tout sauf du soin, ça me saoule. J'ai quoi sur moi, là, déjà? Voilà, ça, on jette, hop. On s'en branle de ça. J'ai un truc comme ça, mais ça, on s'en branle parce que j'aurais pas le temps de craft. Ça, on s'en branle aussi. Enfin, bref, il y a plein de trucs, on s'en branle le cul, quoi, j'ai envie de te dire. Hop, on prend ça. Après, c'est vrai que j'ai le lance-flamme, attends, hop. J'esquive. Oh, ok, pas mal pour moi. Il faut cramer, frère, hein. Ok. Alors là, je vais me barrer, je vais chercher du soin. Bon, bah les couilles, hop. Il me faut du soin. Genre, ouais, le truc qu'il y a là, ouais. Oh, des balles, super. C'est intéressant, surtout quand on sait que... Esquive. Ah bah ouais, c'est cool. T'inquiète, on est là. On est ensemble, frère. Ok. Là, faut que j'attende qu'il porte un truc. Alors, je vais passer à côté de lui, on va les couilles. Hop. Là, il va faire quoi? Vas-y, porte un truc, là, ça nous arrangerait. Ok, nickel, ça, c'est très bien. Fais donc ça. Recharge, enculé, recharge, dépêche-toi. Nice. Là, magnum. Je recharge pas. Du soin, c'est bien beau du soin, il y en a pas mec. Alors on a du fuel pour ça. Là on a des balles, on a des grenades. Ah mais oui c'est vrai, attends.
Attends, hop. Équipe grenade. Hop, ça pourrait être marrant, ça. Viens, la connard. Hop. Vas-y, vas-y, ça explose. Ouh, ça fait rien du tout. Et je suis mort parce que j'ai oublié de me soigner. Où est le soin? Je veux le soin, je veux la position exacte du soin. Ça me casse les couilles. Hop, active la visée. Ouais, vas-y, connard. Ouais, on est d'accord. Alors là, ce que j'ai fait, ça servait à rien. Hop, je me casse, gros. C'est bien beau d'avoir du soin, mais où il est caché, en fait, ce soin? Où il est? T'es sérieux, là? Ah non, mais le jeu est sérieux, c'est-à-dire que je cherche pendant tout le long et il me fout du soin. Ah bah, des balles, bah oui, bah oui. C'est cool de m'en foutre aussi tôt dans le jeu, connard. Va porter un truc, mec. Va porter un truc, ça nous arrangerait. Ok, là, c'est très bien. Là, tu nous arranges. Là, on va chercher ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a là? On a... Grenada. Là, on a balle de magnum, justement, il me semble. Oui, on recharge. Là, on a des balles normales. Balle de pompe, vite. Ok, hop. Ok. Recharge. Yeah! Comme dirait... Yeah! Alors, hop, on prend du fuel pour le lance-flamme. On peut l'utiliser maintenant d'ailleurs. Merde, je suis trop con. Là, je suis mort. Là, c'est fini. Hop, c'est quoi? Hop, vas-y, on cheat un peu, voilà. Comme ça, l'histoire que ce soit pas fini tout. Hop, ouh, on est trop chaud. Vite, pourquoi je fais rien là? Je suis con, je suis con. Vite, vite, là, il faut qu'il se retourne. Vas-y, retourne-toi. Oh putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi ça active ça? Pourquoi la map, c'est contrôle aussi? Vas-y, mais viens, mais pourquoi il se fait comme ça là? Pourquoi il se fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il branle? Vite, vite, recharge, Léon, recharge. Recharge, dépêche-toi. Cours, cours, cours. C'est pas le moment de rêver. Ok, la magnums. Ok. Là, tu me recharges tout ça. Il va refaire pousser des yeux ou quoi là? Oh putain, il passe en forme finale, ok, ça c'est forme finale. What the fuck, il est stylé de fou. Il est stylé, mais je vais mourir. Il est où là? Ah merde, il porte un truc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais what, mais gros. Eh, n'abuse pas. Tu vois, l'abus en vrai, c'est mauvais pour la santé. Alors là, je vais utiliser le fusil, tu vois. Hop, je suis un peu joueur. Je suis pas joueur, gros, je suis pas joueur, je rigole pas du tout. On va chercher son truc là. Il a un peu trop de bras à mon goût. Frère, calme-toi, calme-toi, il faut se calmer dans la vie. C'est le calme avant la tempête en fait, j'ai envie de te dire. Alors là, vas-y, montre-toi, connard. On charge. Envoyer, c'est pesé, gros. En mode facile, tu sais pas pourquoi. Hein, je... Et ouais, mon grand. Nique ta race. Nique ta race, gros. La meilleure chose que les Américains aient créé, les armes à feu. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs que j'ai pas pris. Genre ça là-bas, j'avais pas pris. Voilà, wow, j'ai 60 balles. J'ai carrément un stack de balles, quoi. C'est... Ah, j'ai un truc là-bas que j'avais pas vu. C'est là qu'il se réveille parce que j'ai mis trop de temps. Ah, par contre, ça, j'ai pu. C'est quoi ça? Une grenade. Mais c'est marrant parce qu'avec le lance-flamme pour les yeux, ça fonctionne, je crois. Eh ben, ça fonctionnait pas très... Ça fonctionnait pas de ouf, en vrai. Hein. Moi, à chaque fois que j'utilisais, il était tout en feu, mais il prenait rien, j'ai l'impression. Je pense, en vrai, c'est plus le pompe et le magnum qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Mais...
Mais lol, il remonte genre. C'est bon, c'est fini, j'ai tué le monstre. Ça a l'air sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Oh putain, ok, Ada, balle dans la tête. Je le savais, gros, je le savais, putain. Et c'est pour ça qu'elle nous a embrassés aussi vite, aussi. C'est, ça me paraissait bizarre. C'est des codes. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains. Non, elle va crever, elle. Sérieux? Il s'en bat les couilles. Bah ouais, c'est pas Ada, on s'en fout. Espèce d'enculé, va. Je suis sûr, ça va être le genre de fils de pute à croire sa meuf parce qu'elle l'a embrassé. Gros enculé qu'il est, c'est sûr. Je le sens bien. Je le savais, j'aurais dû tirer une balle dans la tête à Ada, frère. J'aurais dû tirer une balle dedans. C'est la méchante du truc, c'était obligé. En même temps, frère, pourquoi elle nous aurait embrassé aussi? J'ai pas compris, j'étais un peu choqué. Elle nous a embrassé alors que ça faisait une heure qu'on se connaissait, on l'a juste sauvé une fois. Elle écoutait un vieux gars de la police alors qu'elle était du FBI, normalement t'en as rien à foutre. Tiens, on va y... Tant qu'on y est, on s'en bat les couilles, on est pas pressé de rejoindre Ada, en vrai. Alors... En visuel. Ouais. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Ah ouais, il a sauté du truc, hein. Vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit. Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Ah ouais, là oui, au calme. Mais lol, il vérifie quand même. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant. Ah oui, bah connard, il allait nous tirer dessus. Mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la... Comment il me regarde l'autre, genre il est en mode... Enfin, comment il nous... Quand il regarde le mec, genre il regarde en mode... Putain, t'es un bâtard, on va pas être payé. Est-ce que ça paye bien? Ça doit payer bien quand même. Tu vas être bien financièrement si tu fais ce métier. Allez, on bouge. Ok. Et du coup, le... Ah ouais, d'accord. Ah mais attends, je viens de capter, mais il y a l'autre con de Monsieur X encore. Qui va justement être en face de nous. Regarde. Ah bah tiens, comment tu vas? Ça va ou quoi? Eh bah oui, c'est vrai qu'elle peut faire ça. Justement, je pensais à toi. Ah, c'est bien, Léon, il fait le mec genre... Je commençais à m'inquiéter. Ouais, fais pas la meuf, gros. Fais pas la meuf de Léon. On forme une bonne équipe. J'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez. Dis-moi que tu l'as. Oh, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Et tu vas la croire. Sûr. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? Quoi? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. J'avoue, pose ton arme. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Pourquoi ça s'écroule là? Je comprends pas. Ah, c'est une autodestruction, je suis con. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Mais Léon, il va se faire tirer dessus comme une grosse merde.
Non. Où est le sirène? L'échantillon du virus, c'est cool. J'imagine qu'en bas, il y a un connard genre qui attend pour le prendre et que ça va être la suite du truc. Mais t'es pas morte, elle? Ah bah si. Si, si, maintenant, ok, ok. Ok, d'accord. Attends, je peux... Wouah, mais gros, moi dans cette situation-là, je... Tais-toi, je te tiens. Ça sert à rien. Bah alors on crève tous les deux, frère. Fais attention à toi, Léon. Non ! Il est pas content. Putain. Attends, attends, attends. Ok, du coup là c'est cassé. Et pour sortir, c'est où déjà? Ouais, je dois reprendre la... Je dois reprendre le train, donc c'est par là. Tout droit. Ok, c'est tout droit. Putain, la tournure que ça a pris. Ah, ascenseur ou ça? Ah mais oui, ascenseur. Je suis... Ah ouais, j'ai un QI vraiment. Non mais pourquoi ça va vers le bas? Ah, c'est vers le bas que ça va aller? D'accord. Ah ouais, sérieux? Comment ça a pris la tournure dramatique là? Il va y avoir l'autre fils de pute là? Non? Qui c'est? Oh, c'est Claire Fairfield, c'est l'autre. Claire. Et voilà. Léo! Toi aussi tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite! Oui! J'ai un moyen de sortir. Ah ouais, elle était là elle aussi. Ah ouais, donc en vrai dans son histoire on va aussi aller Où es-tu là? Claire, t'es encore là? Léon? Hé hey, Léon, je t'entends mal. Mais non, on s'entend bien. N'attends pas. Fiche le camp d'ici. Ah et là il va y avoir monsieur... Ah non, j'ai cru que t'as la vidéo, il allait avoir genre le monsieur X qui allait la tuer là. Bon, j'imagine qu'il faut aller par là. Ouh, attends, prends notre temps. Oh là là, oh, bah, je te dis moi, hop, rien à foutre. Est-ce que j'ai tout pris ici? Non, j'ai pas tout pris. Bah tiens, on va aller prendre des autres trucs. Bah tiens, oh, en plus si c'est ça. Oh, si c'est ça, on prend. Il hein. Faut qu'on aille sauver Claire là? En 8 minutes 30, faut sauver Claire. On va mourir. Oh, petite sauvegarde en pleine apocalypse, on s'en branle. Hop là. Alors il y a un petit coffre, est-ce qu'on prend? Alors ça on reprend, je crois qu'on peut... Ah on peut pas reprendre des trucs. Ok, on peut pas stack ça? Non. On peut rien faire en fait. Bah ça on peut, à la limite on peut le déposer parce qu'on peut pas l'utiliser, on va prendre ça. Parce que ça je sais pas si on a encore besoin de ça. Et je pense qu'on en aura besoin.
Alors là. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est bon, il est mort. Bididit. Ouais, c'est tout droit. Non, on ici. Oh, petite plante verte qu'on ne peut pas prendre, qu'on va combiner. Et voilà. Alors ensuite, c'est par là. Par là. Voilà, musique en vrai, pas mal la musique. Musique bien calée. Par contre, Ada, elle est crève, quoi. Parce que bon, en vrai... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas le moment. Bah oui, en effet, c'est pas le moment, genre. Oh, monsieur X, il sait pas courir, genre. Oh, tu sais quoi, gros, bat les couilles des zombies, bat les couilles de tout. Hop, là, faut juste run, en vrai. Oh là là, oh putain. Sérieux là? Non, on va mourir. Attends, monsieur X, il est mort comme ça? Non mec, sans blague. Il est pas derrière l'autre con là de Monsieur X. Hop, un peu de balles, ça fait toujours plaisir. Alors ça je pense qu'on va en avoir besoin du coup. Oh c'est bon les couteaux. Eh les couteaux au bout d'un moment c'est bien rigolo hein. Mais voilà hein. Ah tiens, on a pas un coffre là? Ah si. Hop, oh, bah tiens on va mettre couteau dedans. Et après tout le reste en vrai c'est important. Avant détonation. 6 minutes avant détonation, tiens, pour bien te mettre en confiance. Alors du coup prise double, j'imagine que ça va servir pour un truc important hein. C'est un élévateur ça. Allez c'est parti. Et voilà, prise double, hop, on utilise. Monsieur X, c'est un Sigma, c'est à dire. Oh non, c'est un gros truc de bâtard. C'est quoi ça? Mais lol. Oh non. Combat final là-dessus, sérieux là? Un peu plus vénère que le par contre. Ah mais ouais mais gros, mais comment je fais là? Il a pas de point faible lui. Ouah mais gros, mais quoi? Eh, j'ai pas de balle de ça. Ah mais gros, mais pardon. A mon avis, lui, je pense pas qu'il faut le buter. Je pense qu'il faut juste tenir jusqu'à ce qu'on soit évacué, je pense. Ah, il m'a pas eu, là, je crois. Oh, 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 oh. Putain, y a des cailloux qui se mettent sur le chemin, là. Peut-être que je le fasse tomber sous des cailloux, qu'est-ce qu'il fait là? Wesh. Pardon?
Je sais pas, il était combien, mes frères, mais non. Et je vais devoir refaire... Ah non, c'est bon, putain, ok. Ok, let's go. Pense à tes flashs. Mais les flashs, les bons flashs, c'est vraiment utile. Ça, bah oui, enfin, ça le stun, je pense, ouais. Alors par contre, ouais, tu me permettras. Alors du coup, hop, on va... Ah mais c'est bon, les bons flashs, hop. Ouais. Flash, boom. Ah mais ouais, en fait, c'est trop bien. Alors, en fait, ouais, c'est bien. Vite fait, hein. Oh, Mister X, la grosse merde. Oh bordel. Oh bordel, Mister X, le giga chad. Mister X, il va à la muscu. Oh bordel, comment je l'ai esquivé. Comme un génie, gars. Oh oula, ouais, je veux dire comme un génie, tout court. Hop, t'as là, Mister X. Y'a pas de soucis, tu peux y aller. Lance plein dans la gueule. Ok, là on esquive. Lance dans la gueule. Tapez le caillou. Lance dans la gueule. Esquive, voilà. Ah, tu peux taper avec mon esquive. Pas besoin de taper. Esquive. Ah, l'esquive était pas des moindres là. On esquive, hop. Là, on passe à côté de lui. Comme si rien n'était. Lance dans la gueule. Ah oui, là il va falloir l'esquiver, je crois. Mais comment tu fais ça? Mais non, mais là par contre, j'ai envie de savoir là. Voilà, honnêtement, j'ai envie de savoir comment tu fais ça. Comment on passe ça? Utilise ta flash. Ah, c'est sur ça qu'il faut l'utiliser. Bah, faut le dire. Utilise ta flash, tu me dis pas quand j'utilise. Connard, va. Hop là, on est reparti pour un tour, allez. Hop, connard, tu passes, par contre, j'ai pas que ça à foutre, regarde. Hop, lance la noyade. Hop, là, on passe comme ceci. Coup de pompe, là, on esquive, regarde. Hop, esquive de génie. Hop. Coup de pompe, coup de pompe. Là, on esquive, voilà, esquive de génie. On esquive, coup de pompe. Ok, ok, là on passe à côté de lui comme ceci. Hop là, oh là là, Monsieur X. Un peu de respect. Je mérite mieux que ça. Ah, j'ai rien dit en fait. En fait, vous êtes très très gentil. Je cours. Viens là, monsieur, viens là. D'où je t'appelle monsieur? T'es qui pour que je t'appelle monsieur? Ah, connard. Donc là j'ai que 30 secondes à attendre. 30 secondes, c'est quand je... 30 secondes. Esquive. Ok, ok, ok. Ah, bordel. Petit soin. Oh non, ça craint. Hop là, connard. Oh bordel. Là, il doit avoir un peu chaud quand même. Hein. Le mec, c'est devenu. Et voilà. Vas-y, vas-y, attaque. Tu peux attaquer, gros. Oh bordel! Oh bordel! Oh bordel! Mais en fait, grâce à moi, j'ai des attaques de feu. Ah putain! Mais pas du tout, frère. Va crever, mon cochon. J'ai mis de l'air Léon ou pas? C'est moi le double en fait. Je l'ai pas dit. Quoi, mais il est déjà. Ah, ok. Alors j'ai quoi pour l'attaquer en attendant? J'ai le fusil. Oh, bordel. Petit soin. Pistolet, 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 pistolet.
Vite. Let's do this all right, bitches. C'est fini pour toi, monsieur X. C'est quoi ce truc-là? Lance-roquet. Oh! Oh! Ah, bordel! Mais gros, mais je meurs! Meurs pas maintenant, c'est fini, non? Non, monsieur X! Monsieur XXX Temptation! Ok, ton petit char, gros! Ok, là, tu fais plaisir. Là, on est d'accord? Boum! Comment il va, monsieur X? Ah ouais. Plutôt frais, hein, ouais. Ouais. Mais monsieur X, il est... On en refait une! Vous êtes arrivé au niveau inférieur. Faut que je t'ai pas vu, connasse, là-haut, là? Lance roquette! Voilà, hop, Adabon, que ça dégage. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que du coup, oh là, c'est bon, j'ai pas le time. Oh. De la pâtée qu'on appelle ça, de la pâtée. Oh, petit train de je sais pas quoi. Let's do this. Oh, il va, Adam. Non, on utilise pas. Ah, bah, c'est... Merci, non, et merci, Loni. Merci, Loni, de venir aussi tard. Merci à moi de venir aussi tard. Oh non, il va nous courir après. Il va nous courir après en mode gros monstre bizarre. On devra lui tirer des lance-roquettes à la gueule. Du coup, c'est le Resident Evil 6 ou 5. Alors déjà, Magic Weepo a dit... Oh, attends. Wester, on parlera après. Ok, donc Ada Wong est pas mort. Hein. Tu sais pas comment elle a fait. Hein. Parachute, peut-être. C'est le seul souvenir qu'il a d'elle, c'est... Ouais, j'avoue, moi aussi. Hein. Ouais, bon, pas vraiment. À part son petit cul quand elle marchait devant nous, c'est juste ça. Oh, Léon! Quel patron! Quel patron! Ça, tu vois, c'est un signe de patron, ça. Léon! Hey. Qu'est-ce qu'il prend le... On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. Bah, let's go, frère. Ça finit comme as ! Ah, ça finit comme ça, genre ? Eh bien, voilà. Non, je vais pas le remettre. Et je vais prendre un petit coup de jus d'orange pour fêter ça. Et bien, bien bitches, c'était pas mal du tout. Pas déçu, gros, pas déçu. En vrai, à un moment, ouais, j'ai pété des câbles, mais tu vois, c'est comme tous les jeux, tu rages un peu. Mais vraiment, pas mal du tout. Histoire pas mal. Retournement en situation avec l'autre qui est pas morte, là, cette petite. Voilà. Hein, pour moi, c'est toujours une salope. Hein. Mais. Japanese. Ah ouais, parce que c'est un jeu japonais de base, je crois, non? French Voice. Olivia Nicosia. Pour la voix française. Et du coup, et ben voilà, en fait. Bon, on doit pas revoir le casque de toutes les langues. Hein. Ah, c'est ce que je veux dire, il y a une scène post-générique pour donner envie de faire le 3, j'imagine. Nemesis. Ah, rang B. C'est classé. 31 sauvegardes. Hein. Mode face... Ah oui, parce qu'à la fin, j'étais en mode facile. Putain, de salope. N'importe quoi. C'est vraiment des abrutis ou quoi?
Moi, normalement, j'aurais rang S. Excuse-nous, Loni. Excuse-nous. Excuse-nous. C'est quoi, ça? Nouvelle partie bis est maintenant disponible dans la section campagne du menu. La fin est certaine des parties de jeux différents dans les scénarios bis. Quoi? Les modes additionnels contiennent des spoilers sur l'aventure principale. Afin d'éviter les spoilers, nous vous conseillons de finir d'abord l'aventure principale. On doit faire quoi là? Ah, c'est genre des vagues! Wesh! Pourquoi? D'accord. Ouais, à mon avis, ça doit être des vagues de trucs. Ouais, ouais, c'est mort. J'ai autre chose à foutre, vraiment. Ou AA+, ou S+, plus... Oui, ok, je vois. Plus que Claire. Comment ça, plus que Claire? Ah oui, l'histoire de Claire. Bah, Loni vient de dire que c'était le même... genre que c'était la même histoire, et que du coup, c'était pas forcément intéressant. Mais, nouvelle partie bis, résultat, tenue, attention, tenue. Il y a quoi qui change en fait? Ah ok, genre la meuf est quand même un peu plus charismatique et lui... Oh là là. On dirait que c'est les skins dans Fortnite, ça change que de... Ok, là t'as la tenue quand il est en civil, tenue de policier un peu défoncée, éclair, on a que tenue normale. Personnalisé, comment ça? Ah, je peux genre choisir comment il va être dans les prochaines trucs. Comme ça, hein. Ok. Mais du coup, Léon. Parce qu'il faut parler un peu de Léon, du coup. Ah, et du coup, nouveau campagne bis, j'ai Claire, en gros. Je veux la campagne de Claire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bah, on le fera pas aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour si ça vaut le coup ou pas. Je repasse en... Pourquoi c'est comme ça? D'accord, bon. Je repasse en chat. Enfin, voilà. À part si tu veux affronter le monstre de la dernière cinématique. Ah putain, fais chier. Mais il est fort ou pas le monstre de la dernière cinématique? Est-ce que ça se trouve, en vrai, il est nul à chier, tu vois? On est là, frère. Du coup, tu fais le combien? Eh bien, le 3, pourquoi pas. Je vais voir sur Steam. Et le 3, genre, c'est un vieux truc comme les anciens, ou c'est un peu comme... bon, je sais pas si ça sera aussi beau que le remake du 2. Bah, attends, au pire, je vais voir. Magasin, Steam. Il est cheaté. Ah, ok, super. Alors... Alors, Resident Evil 3, il coûte 11€ sur Steam, ça passe en vrai. Il est comment? Ah oui, en termes de graphisme, ça va. Ah oui, ça doit être le remake. Ah ouais, ok, au calme. Il coûte 11 balles. Acheter Raccoon City Edition, j'ai pas que ça à foutre, connard. Fais les Resident Evil de Léon. Bah, on peut faire les autres aussi. Enfin, pas besoin de faire que Léon, hein. Ce connard, à force, on en a marre, putain. Oh là là. Léon, il est dans le 2, 4 et 6. Eh ben, on de toute façon, on va tous les faire, en vrai. De toute façon, moi, tous ceux qui ont des graphismes un peu convaincants, je les fais, hein. Pas ceux qui sont sur PS1, bon, on a autre chose à foutre. Dans le 6, c'est un sugar daddy. Bah, justement, j'ai pas envie de voir ça. J'imagine qu'en plus il a pas fait avec Ada, donc imagine le désastre. Magic Bebo qui est pas à ce niveau 60, qui est The Rocks, si j'ose dire. Et du coup, pourquoi pas le 3? Alors dans le 3, c'est Jill Valentine, comme dans DBD. Non, je déconne, c'est une blague. Hein. Il y a 4 aventures différentes. Et le 6, attends, le 6, attends, parce que... Faut qu'on rigole un peu, attends. Non, j'ai pas Resident Evil. Alors, Resident Evil 6. Ah, il coûte que 6€. Ah ouais, mais c'est un vieux truc. Il y a Léon là-dedans.
Attends, mais c'est Léon, ça? Mais gros, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là? On sait même plus un sugar daddy, c'est une grosse merde. Ah non, mais non, c'est pas Léon, le mec principal. Il y a Léon et Elena, Chris Pryor, Jake Cheryl, le petit et la petite avec Claire et Ada. Le Glowdown. Attends, mais c'est Léon, ça, le vieux, là? Non, tu me dis pas que c'est Léon, quand même. C'est pas possible. Ouais, et puis ouais, les graphismes, bon. Hein. Je suis bien conciliant, mais... Le jeu sur PS3, ça m'intéresse plus trop maintenant. Ah, mais c'est Nemesis, ça, non? Non, c'est pas Nemesis du tout. Mais c'est Léon, là? Le crâne rasé, là? Non, c'est pas lui, quand même. C'est pas Léon, le crâne rasé, quand même, s'il te plaît. Me dis pas ça, parce que là, tu vas me faire chialer. Oh putain, je crois que c'est lui, en plus. Regarde, Payeur, c'est Chris. Ouais, pas fou, hein. Ils sont pas... Enfin, Léon était pas charismatique, mais eux, bon... Ils sont un peu musclés, ils sont un peu plus musclés, ok, d'accord. Bon. Alors, je vais voir aussi le Resident Evil 4, du coup. Ah oui, mais les graphismes, gros, les graphismes. Oh là là. Oh, Léon. Léon, tu sais, il me fait penser à qui, là, Léon? On dirait Link dans Zelda. On dirait Link dans Zelda avec son long nez. Là, tu mets un chapeau vert à Léon, c'est Link, hein. Oh, putain. Oh là là, il ressemble à rien. Et non, attends, il y a Ada Wong. En soi, on s'en bat les couilles en rien. Bon, déjà, voilà, le 4 et le 6, bon. Voilà. Et c'est, moi, ce que je voulais tester, moi, ce que je voulais voir, c'était le Resident Evil 7. Parce que apparemment c'est le meilleur, genre. Un des meilleurs. Resident Evil 7. Alors, Resident Evil 7, c'est Biohazard, hein. C'est Resident Evil 7, Biohazard. Biohazard original soundtrack, non, on s'en branle de la soundtrack, gros. Alors. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, déjà, les graphismes ont l'air plus convaincants. Ouais, bah je pense si je devrais faire le prochain, ça partira plus sur soit... Alors attends, je vais remettre les LED en normal, hein. Voilà. Ça partira plus sur un Resident Evil 3, un 7. Mais du coup, ouais, je pense pas... Je pense pas le 4 ou le... Attends, le 5. J'ai pas vu le 5, du coup. Merde. Attends, hop. Resident Evil 5. Ah, c'est un vieux truc. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, c'était lequel aussi? Ah oui, et puis il y a le 8 aussi. Le 8 qui est sorti récemment. Évaluation extrêmement positive. Donc le jeu, à mon avis, doit être pas mal. Mais bon, 30 balles. Je le prendrai sur Instant Gaming si je le prends. À chier le 5 à LED. Le 5, il y a Wesker. Oui, mais s'il est à chier, bon. Du coup, je partirais plus sur le 7, parce que vu que le 3, il n'y a pas Léon, comme vous dites. Et puis, je sais pas. Oui, tu tues des... Et c'est un blanc qui les tue. Il n'y a pas... Le 7, il n'y a pas Léon. Ouais, mais... Bah, faut encore heureux, parce que s'il y avait que lui, on serait vite chier. Non, mais en vrai, bah, ça se trouve, ils vont faire le remake du 4, hein, bientôt. Hein. Du 4, du 5 et tout, donc on les fera peut-être à ce moment-là. Le 6, il y a deux Ada.
Quand on fait le 6. Non, je déconne. Non, on voit Ada, je m'en bats les couilles, je la déteste. Mais ouais, du coup... Du coup, je pense que je partirai... Oui, bah 4 dans 7 mois. Ah Ada gentille et Ada méchante. Oh putain, ça a l'air d'être un peu cringe là, le 6. Genre, ah, oh, j'ai une version de moi méchante, une version de moi gentille. Oh putain, le truc. Mais je pense que je vais juste... je sais pas. Je pense que je partirai plus sur le 7, du coup. Et le 7, c'est pas avec... le 7 et le 8, c'est pas l'histoire de Ethan Winter, comme on dit. Je sais plus si c'est ça. Et du coup, vu que... Je pense qu'on fera la story Ethan Winter. Et après, quand il y aura le 4, et le 4, c'est il y a Léon dans le 4, il me semble. Si je me trompe pas sur ce que vous venez de dire, mais du coup, si on fera la suite, du coup. Avec les... Oula, merde. On fera la suite avec Léon. Et du coup, comme ça, tout le monde sera content dans 7 mois quand il y aura le remix. Et du coup, voilà. Du coup, je pense qu'on va faire comme ça. Du coup, la prochaine fois qu'on fait un Resident Evil, ce sera le 7. Je pense que là, on va se calmer. On va essayer de retrouver des jeux un peu plus... voilà. Genre des jeux d'horreur toujours, mais un peu plus... voilà. Calme, indépendant, rapide à finir. Et du coup, voilà. Je pense qu'on partira plus là-dessus. Le 7... Comment ça, le 7, il est nul à ce point? Le 7 est nul à ce point? Je vais Nehes bonne nuit. Eh bien, vas-y, Magic Poupa Nehes, du coup. Mais le 7, il est nul à ce point, vraiment. Il est éclaté, le 7. Magic Poupa, je sais pas, il dit qu'il fait bien peur. Du coup, moi, je serais plutôt tenté de le faire. C'est comme la pizza avec ananas. Ouais, non, mais... Non, oui. À part As. En vrai, il est nul à ce point. Il est trop bien, le 7, dehors. Ah, mais... du coup, bon, je pense que du coup, Loni, on le fera. Bon, tu prendras ton mal en patience, hein. On fera le 4 quand il sortira en remake. Comme ça, on découvrira ensemble, du coup, vu qu'il n'y aura pas eu de let's play ailleurs, parce que là, vous avez certainement dû voir le... c'est des mecs possédés, c'est nul. Bah, c'est un autre style, hein. C'est pas des zombies comme ça, tu vois. Et puis, en vrai de vrai, aucune blague, moi, je préfère les trucs comme ça, avec des fantômes et tout, plutôt que des trucs à zombies. En tout cas, zombie, je trouve ça un peu... c'est revu et revu. Hein. C'est vu et revu. Après, c'est peut-être Resident Evil, justement, qui a créé ça. Et dans ce cas-là... Et alors, différence ne veut pas dire nul. Mais voilà, il a raison. Bah, je pense qu'on partira là-dessus, alors. Ou alors, pendant 7 mois, on fait pas de Resident Evil et on fait le 4. Mais bon. Hein, c'est vous qui décidez, hein. Parce que moi, si vous voulez... Si... Oh, merde. Si Loni veut pas faire le 7, bon, on fait pas le 7, mais du coup, il faudra attendre 4 mois pour faire le 4. Parce que je le ferai pas, je ferai certainement pas celui de base. Hein. Parce que si après le 4 il sort en remake, bon, on flemme de se retaper l'histoire, tu vois. Les piles elles sont pas tombées, non, c'est bon. Le 6. Ouais, mais le 6, pareil. Le 6, bon, voilà. Flemme un peu. Fais le 7 ou je te baise. Ah, ok. Comment elle va, Sophia? Comment elle va? Ben, si on fait le 7, on fait le 6 après. Tu forces à vouloir voir Léon, toi? Léon Goat. Non, Léon, une grosse merde. Hein. Comment ça va, Sophia? Sinon, à part ça. Tu vois. Ouais, moi, ça va tranquillement. Mais du coup, c'est la fin du live, hein. Parce que voilà, encore en retard, et bon, ça ne change pas d'habitude, mais forcément, ça me surprend plus. T'inquiète, je suis pas vénère, comment ça? Mais du coup, on va s'arrêter là, les gars, hein. On va s'arrêter là. Et puis, nous, on se retrouve du coup demain dimanche. Alors, demain dimanche, on fait quoi? Parce que demain dimanche, moi, je pensais que du coup. On allait pas finir Resident Evil aujourd'hui. Et du coup, ben... Voilà. Du coup, demain, je sais pas, je vais essayer de trouver un truc. Peut-être The Forest, si Evan est d'accord. Ou je sais pas, autre chose. Je sais pas, un petit jeu d'horreur. 4 heures de live. Ouais, 4 heures de live, c'est pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant. Ça faisait longtemps. Ro encore, j'ai pas de chance. Ouais, t'as pas de chance, tu fais pas exprès du tout. Du coup, les frères, à demain. 20h30, 21h dans ces eaux-là.
Et on se retrouve du coup pour un petit jeu d'horreur, certainement. Ou alors on finira peut-être le jeu Backroom avec Evan, le jeu Backroom qu'on avait fait la dernière fois, ce serait bien de le finir, ou d'avancer au moins d'un niveau, tu vois, parce que la dernière fois on avait avancé de zéro niveau et c'était cool. Non, vraiment. Du coup, à demain. Petit bisou. Et n'hésitez pas à voir dans l'invisible.